Bienvenue au chaudron magique. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. J'ai eu quelques minutes de retard, je suis vraiment désolée, c'est ok. Alors, bonsoir Evelyne, Saïda, Pascal, Pascal, Catherine, Marie-Lise, Priscilla, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monique. Comme je disais, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Ça fait déjà 15 jours, donc j'ai eu l'anniversaire de mes enfants et la semaine dernière, mon corps était traversé par les douleurs. Donc c'est ok. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Son corps lui a demandé des choses et elle a acté les choses. Le corps, à des fois, pousse la vie à faire des choses et c'est ok. Elle a accepté, elle a acté et depuis une semaine, elle fait attention à sa nourriture, parce que son corps est trop souffrant. Donc du coup, c'est parfait et depuis, ça va super bien. Alors, je vais déjà partager le lien, parce que j'ai oublié, oui. N'oublions pas. Je vais partager le lien. Hop. Voilà, donc vous avez le lien pour passer à l'antenne. Moi, j'ai aussi pas mal de douleurs dans le corps et je te comprends. Oui, en fait, c'est ça. Suivant les aliments qu'elle mange, en fait, ça déclenche des douleurs et elle le sait, mais elle continue par plaisir. Et du coup, le corps, il dit non, non, il faut arrêter là. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, elle arrête. Je goûterai de temps en temps un petit peu à des trucs, mais beaucoup moins. Pourtant, je mange beaucoup moins de choses, mais là, c'est ok. Je suis vraiment ravie. Il y a déjà du monde qui arrive dans la salle, c'est chouette. Je voulais faire une petite entrée. Donc, elle a posé un stage en présentiel, pas loin d'Angoulême, aux alentours d'Angoulême, pour fin janvier. Je vais redire les dates. Il y a déjà des personnes qui ont réservé, sans que je publie la publication. Je n'ai pas les dates exactes, excusez-moi, je ne suis pas du tout, mais c'est ok. Je peux vous la dire, mais vous aurez la publication là dans quelques jours. Je vais juste regarder la date. C'est la semaine du 24 janvier. Voilà. Donc là, il y a un stage en présentiel pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, parce qu'il reste 3 places. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc voilà. Il y a déjà 3 personnes qui ont réservé déjà. Donc voilà. Sur ce, je vais commencer à. Bonsoir Fanny. Je suis vraiment quand même ravie d'être là avec vous. Ça me manque autant que vous, je crois, parce que j'ai eu plein de retours. Comme quoi le chaudron manquait et c'est ok, c'est juste. Je vais commencer à faire rentrer les personnes et oui, parce que déjà la salle est pleine, je crois. Donc, il y a Marie-Lise, après Monique. Je vais dire les 2 premières et on va faire à la suite, en fait. Voilà. Donc, Marie-Lise, je vais te faire rentrer parce que je vois que tu as coupé la caméra, c'est peut-être normal. Bonsoir, mon fils a 9 ans et il aimerait passer, c'est possible. Il peut passer, mais après, je ne vais pas répondre sur des questions. Je vois pas. Il passe avec maman, quoi. Ça dépend pourquoi il veut passer et qu'est-ce qu'il veut, en fait, le petit bonhomme. Voilà. Donc, oui, Marie-Lise. Je vais faire entrer Marie-Lise.
sais pas pourquoi elle a coupé la caméra. Est-ce qu'elle pourrait remettre la caméra, Marie-Lise? Ok, voilà, tu peux l'éteindre si tu as envie. Voilà ce que j'ai pas eu le temps de. Comme je parle, je suis partout. Ça marche. Voilà, bonsoir, Marie-Lise. Bonsoir Véronique, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue au chaudron Merci, magique. merci. Ravie de te revoir. Merci. Alors, eh bien, je t'écoute. Quelle est ta problématique ou voilà, ce qui te vient, si tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à créer ou trouver mon travail de rêve. Alors, pourquoi Marie-Lise n'arrive pas? Déjà, quand Marie-Lise parle, en fait, elle est détachée de son émotionnel et de son cœur, en fait. C'est drôle. J'ai pas dit qu'elle n'était pas dans l'émotionnel, mais quand elle parle, il y a comme un détachement. C'est OK. Est-ce que tu peux me reposer la question, justement? Oui, pourquoi je n'arrive pas à trouver mon travail de rêve? Pour Marie-Lise, c'est quoi son travail de rêve? C'est quoi un travail de rêve? Ça existe? Bah, en tout cas, on peut essayer d'avoir quelque chose qui Oui, non, approche. mais je rigole, je rigole. Je peux dire que Véronique a un travail de rêve, en fait, voilà. Oui, Ouais. bah voilà. J'ai bien compris. Ok. Alors, c'est quoi pour toi? C'est marrant, c'est comme si c'était détaché de la vie. Détaché de la vie. Ouais, c'est-à-dire que, comment je vais t'expliquer ça? Où est-ce que Marie-Lise prend du plaisir? Elle essaye d'en trouver plus. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle ressentit en fait. Toi. Alors, on va aller voir plus profond en fait, parce que t'es déjà passé au chaudron? Oui, je suis passée deux fois, mais je pense que ça a beaucoup bougé depuis, là. C'est beaucoup moins Ok. tendu qu'avant. Oui, ça a l'air très détendu là. Enfin, je trouve ça très détendu. C'est bien. Ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a comme un détachement qui pourrait emmener vers. Alors, c'est quoi? Elle fait quoi comme travail aujourd'hui? En ce moment, je travaille à temps très partiel, je fais du ménage. D'accord. C'est mon emploi de rêve pour le moment. En fait, comment je vais. Ce qui est ressenti là chez Marie-Lise, c'est que quand je dis qu'il y a un certain détachement de la vie, en fait, c'est-à-dire que en fait, je ne ressens pas de jouissance dans quelque chose, ce que tu as confirmé, donc c'est OK. Et encore plus profond que ça, c'est comme si je voulais cacher, peut-être pas forcément une tristesse, mais quelque chose qui. Où j'ai pas goût à la vie, en fait. Ouais, la dernière fois, tu m'avais parlé d'une tristesse qui se baladait. Et en parlant de tristesse, hier soir, là, je faisais une petite méditation en me couchant. Puis en voulant comme prendre les énergies de la terre, de la mère divine, j'ai vraiment ressenti une grande tristesse à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a un lien. Là, aujourd'hui, ce qui est ressenti, c'est pas tant la grande tristesse, c'est plus ce grand vide, en fait. Comment tu te sens là quand je dis avec ce grand vide? Ouais, il y a peut-être un vide dans le cœur.
Il y a quelque chose qui... C'est comme si... En fait, c'est comme si Marie-Lise, on va dire comme ça, c'est comme si Marie-Lise était en dépression, mais elle ne s'en rendait pas compte. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose C'est quoi ce truc? Je sens que ça tourne autour en plus. Ouais, bah j'ai fait un burn-out il y a 6 ans et j'ai arrêté de travailler vraiment il y a 3 ans, puis ça a vraiment fait beaucoup de bien de se reposer, mais oui, c'est vrai que... Ok. En fait, c'est là. En fait, c'est ça que je ressens. En fait, c'est pas le burn-out, hein. Mais je ressens cette énergie qui est présente, en fait, tu vois. Mais le burn-out est arrivé parce que, justement, Marie-Lise avait des choses à voir et à comprendre. Donc, ça a peut-être été vu ou ça a peut-être été posé dans le corps ou voilà, reposé dans le corps. Mais ça n'a pas, comment je vais dire, ça n'a pas été chercher la blessure la plus profonde. Voilà. Et c'est ça que je ressens dans l'énergie, en fait. Voilà. C'est ça qui est là, qui est stagnant, si tu veux, par là. Moi, ça vibre dans tout le corps, là. Voilà. Comment je vais pouvoir te dire ça? Comment je vais pouvoir t'emmener ça, je veux dire? C'est-à-dire que c'est en train de bouger, si tu veux. Voilà. C'est en train de bouger, il y a des choses qui bougent en toi. Et là, ce qui est ressenti pour ma part, c'est que... Comment Marie-Lise a fait pour se sortir de son burn-out et de de sa dépression, quoi. Elle a arrêté de travailler et puis... J'ai arrêté de travailler 3 ans après. Et ouais, depuis 3 ans, bah, je me suis beaucoup reposée déjà. Et Mais est-ce qu'elle a été chercher la source de cette problématique? bah, quand le burn-out est arrivé, ouais, j'ai beaucoup axé ça plus sur la conciliation travail-famille. Voilà, c'est ça. Et je pense que j'ai réalisé récemment que je pensais que je prenais du temps pour moi, mais en fait c'était faux. En fait, Marie-Lise a besoin de prendre conscience que là, dans l'énergie, c'est vraiment comment Marie-Lise peut s'autoriser à prendre du plaisir dans quelque chose, en fait. Et ça rejoint ta question qui était de trouver un travail qui te parle, hein, c'est ça, ouais, qui voilà, ça rejoint à ça. Si Marie-Lise, voilà, si Marie-Lise ne trouve pas son travail ou quelque chose qui l'emmène vers quelque chose qui la porte, c'est parce que au fond d'elle, il y a des choses à résoudre. Voilà. Il y a besoin d'aligner un peu tout ça pour que... Alors quand je dis aligner, c'est voir les blessures et voir ce qui coince dans ma réalité et accueillir ce qui m'a mis dans cette situation. Et là, Marie-Lise, normalement, va me dire, et comment je fais? Oui, exactement. Je l'ai pensé très fort. Faut que Marie-Lise se sente prête déjà. Faut vraiment, ouais, faut vraiment que Marie-Lise se sente prête, parce qu'elle y pense. Mais elle y pense ne veut pas dire qu'elle est prête. Tu vois? Voilà. Alors attends, c'est comme si dans ton système c'était un peu perdu, quoi. Est-ce que Marie-Lise s'en rend compte? Bah, d'une certaine façon, oui. Oui, dans le sens que je ouais, je sais pas trop où je m'en vais, quoi.
Ouais, c'est ça. Je cherche un peu dans tous les sens, je cherche à droite, à gauche, puis je j'arrive jamais à me poser. Voilà quoi. Alors, comment Marie-Lise va procéder pour pouvoir aller vers ce métier extraordinaire? En fait, c'est déjà d'une prendre conscience que le burn-out qui a été posé n'a pas été posé par le travail et la vie de famille, en fait. C'est-à-dire, ça n'a pas explosé parce qu'il y avait le travail, la famille et tout ça. Non, non, c'était une blessure qui était là déjà depuis très longtemps. Oui. Et ça a juste réveillé cette blessure, en fait. Oui. Ça aurait pu être passé autrement que par le travail et par la famille. Et bien maintenant encore, ça peut encore continuer, en fait, si tu veux par là. Ça peut encore appuyer sur les boutons et peut-être Marie-Lise ne s'en rend pas compte. Oui. En fait, l'idée, c'est que est-ce que Marie-Lise est prête à changer de vie, à faire demi-tour complet et puis passer sur un autre cap, quoi. Et pour ça, ça demande beaucoup de courage parce que on va accueillir des émotions qui sont bien bloquées parce que tant qu'on n'y vit pas, ces émotions, ça reste bloqué, en fait. Et du coup, la vie reste bloquée. Ça, c'est... Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour toi. Ce qui est là, c'est ça. Il n'y a aucune information, j'ai aucune information, ni de ton passé, ni de... J'ai très peu d'informations. C'est parce que Marie-Lise a besoin de prendre conscience. Que maintenant, comment je vais dire, j'ai besoin d'aller voir ce qui s'est passé, en fait. J'ai besoin de comprendre et de poser tout ça. Ok. Donc, comprendre d'où l'origine de... ça commence par des pratiques, quoi. En fait, la raison. En fait, la raison, pas forcément la raison, mais surtout revivre. Alors, en fait, souvent, quand c'est comme ça, comme Marie-Lise, là, comme ce que tu vis, dans ton enfance, ton adolescence, tu as vécu des choses, toi. Tu as vécu des choses. Et il y a une fois où ça a été plus fort que les autres. Ou plusieurs fois, toi. Alors, on va pas faire des plusieurs fois à chaque fois quand on fait la libération émotionnelle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On me donne l'information qui va emmener vraiment précisément à la scène ou à l'endroit précis où ça a été le plus fort pour Marie-Lise, si tu veux par là. Okay. Et là, c'est là l'intervention de se faire accompagner, c'est que là, après, il faut passer par le cœur. Il faut vraiment pas le vivre avec le mental, mais vivre avec le cœur. Voilà. Oui. Et c'est là que c'est juste. Alors, c'est facile à dire, hein, mais ce n'est pas si simple à accueillir et à mettre dans la matière. Il y en a, ça va très vite, et d'autres, c'est un peu plus long. Ça dépend. Ça, c'est un autre... On ne peut pas savoir. Mais voilà, c'est ça le processus pour Marie-Lise, en fait. C'est ce qui est ressenti là maintenant. D'accord, d'accord. Ouais. Parce que ça a dû bouger, en fait. Si tu es venue plusieurs fois, c'est ce que tu me dis. Et... Oui. Et je t'ai dit des trucs. C'était crispé, c'était très dense. Voilà, et là en fait, pour toi, l'idéal, tu peux repasser au chaudron, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais c'est vraiment de faire des séances, en fait. Ouais. Et d'aller voir plus en profondeur, parce qu'il faut du temps pour t'emmener à un endroit. Ouais. Voilà. Ok. Et peut-être que la prochaine fois, il y a une chose qui va se débloquer, ça sera plus fluide. Mais là, pour ce soir, non, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'infos. D'accord. C'était une prise de conscience. Mais de toute façon, ça va bouger quand même, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Comment tu te sens, Marie-Lise? C'est plus léger, j'ai l'impression. Ouais, ok. Non, toi, comment tu sens? Non, je sentais plus, comment dire, comme si je tremblais un peu. Ah, c'est juste, ok. Il y a aussi une nécessité de ressentir ton cœur aussi, hein, de retourner dans ton... justement, les tremblements, là, vis-les pleinement et ressens-les pleinement. Parce qu'il y a comme un système qui est là, et clac, je bloque, et il n'y a plus rien en dessous.
Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que c'est... Ou pas vraiment? Non, ben je sais que j'ai le mental qui peut être un peu beaucoup actif. Alors, je n'ai pas dit qu'il était actif, moi j'ai juste Non. dit qu'il a un système bien net, c'est-à-dire qu'il est là, alors j'entends ce qu'elle me dit, j'essaye de faire passer le truc dans le cœur, mais pas du tout, hein. C'est bien stoppé et il n'y a rien en dessous, quoi, si tu veux. Tu vois? Et c'est une illusion de ton mental. C'est Ouais. drôle, hein? Mais c'est vu, hein? C'est vraiment... C'est ressenti dans mon corps, moi, c'est impressionnant. Mais c'est OK. OK. Donc, OK. les tremblements, vis-les pleinement et ressens-les pleinement. Voilà. C'est normal. C'est que ça... Voilà, c'est normal. Ça bouge. Ça bouge, c'est ça. Voilà, Non, Marie-Lise. c'est super. Merci beaucoup. Gratitude et puis à Salut. bientôt. Bientôt. Passe de bonnes fêtes. Merci à toi aussi. Oui, merci Marie-Lise. Alors, je vais lire les deux. Et les mains, ça va pour... Ah, alors oui, alors, j'étais en train de dire pour le petit garçon. Alors, je suis OK. Alors, par contre, maman passe avec. Et puis, moi, je vais lui parler à ce petit bonhomme. Voilà. Parce qu'en fait, il n'est pas dans la lune. Je vais lui dire, moi, à ce petit bonhomme. Avec grand plaisir. Je ne vais pas canaliser rien du tout, mais je vais lui donner avec sans problème. Voilà. Il a besoin juste d'avoir confiance en lui et que quelqu'un reconnaisse sa valeur, en fait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec grand plaisir. Ah, c'est génial, un beau cadeau, là. Alors, je vais... Alors, Monique et après Catherine. Bonsoir, Monique. Bonsoir. Comment on va? Alors, ça va? On va dire ça comme ça, on va commencer comme ça. On Ça... pleurera à la fin. Ok, ça marche. Il faut sortir les mouchoirs. Oui. Et en fait, je t'avais dit que je ne reviendrais pas trop vite, mais ça s'est bousculé. Des fois, tu vois, avant, ça prenait très longtemps avant que quelque chose arrive, maintenant, en Ça va plus quelques vite. jours. Donc, Monique s'est posée, suite à no notre grande discussion, Monique s'est posé la question, pourquoi Monique n'aime pas l'injustice et pourquoi Monique réagit d'une façon très violente quand elle voit quelqu'un manigancer quelque chose contre quelqu'un d'autre. Et là, il y a un souvenir qui est ressorti. Lié à l'enfance, Monique avait un doudou. Et un jour, la fille de son parrain qui était venue passer quelques jours à la maison a manigancé dans le dos de Monique. Et la maman de Monique a donné le doudou de Monique à cette jeune fille. Et depuis quelques jours, Monique est dans la violence parce qu'elle ne supporte rien. Elle n'arrive pas à accepter tout ce qui peut arriver. C'est parce que Monique n'a pas digéré cette action. Voilà. Vraiment pas. Alors Et j'ai pendant très ressenti, longtemps. elle avait Pendant très ressenti que ça longtemps, venait alors. de... Ouais, Oui, pardon, je... Non, non, c'est OK. Elle avait ressenti que ça venait de l'enfance et qu'il y avait une histoire avec maman. Mais voilà, oui. tu m'as dit Mais le c'était le contenu, mais c'est doudou, chouette. c'était le seul qui... C'était En son fait, rempart contre tout. Elle écoute-moi, l'avait depuis Monique. bébé, oui. Oui. Là, quand tu penses à ton doudou maintenant, ferme tes yeux. C'est pour ça que ça reste en colère, en fait, ma belle. C'est parce que tu n'as pas osé accueillir la tristesse de ce doudou. Parce que la grande a grandi avec cette blessure aussi. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas que la Ouais. petite. Sauf que la grande, ça s'est transformé en colère, en haine. Tu vois? Parce qu'il y avait de la conscience. Alors que quand tu étais enfant, il n'y avait pas cette conscience. Ben, c'était insupportable de penser qu'une maman pouvait faire ça à son enfant. Quand tu penses à ton doudou là maintenant, ça se pose où? C'est comment? Ben, c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. C'est comment, ma belle?
pas avec le mental, dans le ressenti. Lâche prise et va voir, en fait. C'est ça. Autorise-toi à aller voir où ça... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui résiste, en fait, Monique. C'est pour ça qu'il y a, il y a cette colère et tout ça, en fait. Tu vois ? Et plus Monique va accueillir cette tristesse-là. Parce que c'est un deuil, en fait. Hein. Chez un enfant, c'est un deuil. Et le deuil n'a pas été fait. Ni chez la petite, ni chez la grande, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, bah, l'injustice ou les trucs qui se manigancent, c'est, bah, ça me meurt de moi. Parce que obligatoirement, ça va faire souffrir quelqu'un. Ça se pose où, cette tristesse, Monique ? Au niveau du cœur. Laisse grandir cette... Ouais, voilà, ben, vas-y, tu sais le chemin maintenant. Voilà, laisse porter. Laisse-toi porter par ce ressenti. Et... Ouais, je sens que ça monte, l'émotionnel. Et voilà, mais l'espace, qu'est-ce qui ressentit là dans ton cœur ? C'est quoi ? On peut pas trop le définir. Hein. Non, ça fait mal. Oui, on peut pas trop le définir. Oui, c'est parce qu'il y a de la résistance, ma belle, à aller voir, en fait. Parce que ça a été tellement souffrant à ce moment-là que c'est difficile pour Monique de retourner là, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, ça traîne dans cette blessure, parce que ce n'est pas accueilli complètement. Alors, ce n'est pas grave si ce n'est pas accueilli complètement, ma belle. Mais par contre, chaque jour, je me pose et je ressens ce qui se passe avec ce toutou dans mon corps, tu vois. Tu sais, il y a autre chose aussi. Personne n'a voulu entendre Monique. Quand elle a expliqué pourquoi elle avait besoin de ce doudou, personne n'a voulu l'entendre. On lui a dit, on va t'en acheter un autre, on va te donner autre chose. Mais personne n'a voulu comprendre. Personne n'a vu la peine de Monique. Oui, personne n'a voulu comprendre l'importance. C'est ça. Monique, elle ne voulait pas d'autre chose, elle voulait juste qu'on comprenne. Celui-là. Celui-là. Pourquoi c'est possible ? C'est ok, c'est ok. Voilà, laisse monter. Laisse venir à toi. Il y avait autre chose aussi. Ce doudou, c'était sa protection contre maman. Et du coup, elle n'avait plus rien. Elle s'est retrouvée à nu, en fait. Oui. À vif. Oui. Ok. Pour ce qui en est, là, de cette blessure et de ce ressenti, ma belle. Ce que Monique vient d'acter, c'est tout à fait ça, tu vois. Donc, dans l'idéal, c'est de le faire tous les jours, régulièrement, tu vois, pour libérer un peu cette pression dans le cœur. Parce que Monique, en fait, il faut y aller avec douceur. C'est pas très confortable, c'est pas très agréable, je le conçois. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais par contre, en prenant, tu vois, comme on vient de faire là, ce temps-là, ça permet de faire évaporer un peu tout le gaz, si tu veux. Puis au bout d'un moment, ça va pouvoir être plus paisible. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même... J'ai ressenti qu'il y avait une peur d'aller ressentir... En fait, c'est ça. Et je ne me connecte pas trop à ça parce que je sens que ce n'est pas loin. Et Monique a besoin d'un peu de temps. C'est-à-dire que ce ressenti à ce moment-là était vraiment un déchirement pour cette petite fille. Il y avait de l'injustice. En plus, on me séparait de mon doudou, de mon être, de ce que j'avais, où je me réconfortais. Et du coup, ça a été super violent à cette époque. Et en fait, aujourd'hui, Monique a bien compris d'où venait
cette problématique, mais pour y retourner, il y a besoin de mettre de la douceur parce que il faut descendre doucement dans cette blessure pour pas que ça arrive trop fort, si tu veux. Tu vois ? D'accord. On a fait déjà plusieurs séances, donc tu connais maintenant le processus plus ou moins. Oui. Ce qui a été vu aussi, ce qu'elle a vu, c'est que c'est OK. Je sens bien que c'est possible pour toi, que voilà. Ça peut bloquer. Ça peut bloquer parce que la petite fille est aussi dans ta situation. Je ne sais pas, je ne suis pas allée parce que si j'y vais, ça va trop chambouler le truc. Et il faut respecter un peu les deux. Tu vois ? Je ne comprends pas. Je vais te réexpliquer. C'est-à-dire que c'est possible que la petite fille soit dans le même état que toi aujourd'hui. Okay. Elle ressent aussi cette tristesse. Je ne me permets pas d'y aller pour aller goûter ça parce que aujourd'hui, Monique a aussi cette blessure. Donc, les deux ouvertes, ce n'est pas la peine. On va prendre le temps pour que Monique puisse apaiser un peu. Et si vraiment Monique voit que ça ne bouge pas, tu vois, dans 15 jours, ça devrait aller beaucoup mieux. Tu vois. Si vraiment tu fais le processus, si vraiment dans 15 jours, ça ne fait pas, il faut aller voir. Enfin, il y a besoin d'aller voir cette petite fille avec une séance, tu vois, et d'aller l'apaiser. Okay. Ou essaye si tu veux, essaye de le faire, peut-être tu peux. Mais pour l'instant, accueille cette sensation dans ton cœur. Vraiment, alléger ça d'abord, en premier. Ok. Parce que là, si tu peux regarder dans ton cœur, c'est peut-être un petit peu plus léger que tout à l'heure. Oui, déjà un peu plus. Oui. Ça a allégé parce que tu as pu dire des choses, tu vois, et ça a ouvert un Mais peu. Mais il y a un mot qui vient là depuis que tu parles, qui revient, qui résonne, c'est révolte, en fait. Je pense aussi qu'il y a... C'est à partir de ce moment-là où Monique est devenue révoltée pour tout et pour rien. Et qu'elle elle rejetait facilement tout ce qui pouvait se passer. Ça me traverse. Oui, la colère, la révolte, c'est des trucs qui sont bien présents là dans ton... derrière tout ce qui est vécu là dans ton émotionnel. C'est bien présent. Ok. Comment c'est pour toi là ? C'est un peu oppressant, mais c'est ok. Je comprends ce que c'est. Enfin, je comprends. Pas avec la tête. Je ressens ce que c'est. C'est le plus important. C'est un travail qui était compliqué pour moi, mais maintenant c'est plus dans le ressenti, même si je dis je comprends parce que c'est. Mais oui, c'est ressenti. Donc, on va aller doucement. Après, si tu le sens plus, vas-y, fais ton ressenti, vraiment. Mais prends le temps, en fait. Mais je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire Parce que de toute façon, tu ne peux pas descendre plus vite que ce que ça veut, en fait, tu vois. Non. Tous les jours, un petit peu, et puis à un moment donné, ça va percer, en fait. Oui. Ouais, non, il n'y a pas besoin de faire plus, en fait. Toi, on va laisser faire le processus tranquillement, en fait. Mais de toute façon, c'était ce qui était resté de notre discussion. C'était cette blessure à découvrir, et là, elle est sortie. Ça a été fulgurant. Oui, ça serait peut-être intéressant de faire une séance, du coup, alors. À voir. Vois comment ça se pose chez toi et comment ça se... Possible, il n'y a pas besoin, mais quand même, toi. C'est quand même un truc assez... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est quelque chose d'assez fort émotionnellement pour la petite fille. Et du coup, pour y retourner toute seule, je ne sais pas si ça peut basculer. Quoi. Et c'est possible, mais je ne suis pas très sûre. Ok. De toute façon, vu tes rendez-vous, ça me laisse le temps d'avancer un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Aucun souci là-dessus. D'accord. Bonne continuation, merci. Oui, toi aussi, Monique, et passe de très bonnes fêtes. Toi aussi. Et à bientôt. Et j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire au petit garçon. Ah oui, moi aussi, c'est vrai, il y a un petit garçon. Oui. Je vais voir quand est-ce qu'il passe. Je te fais des gros bisous, Monique, et à très bientôt. Ben, moi aussi. Merci. Et puis, tu sais, de toute façon, j'ai les rendez-vous à l'eau maman Bobo, hein, si jamais... Oui. Part en live. D'accord. D'accord. Je te fais des bisous, Monique, et puis à très Moi bientôt. Aussi. À très bientôt.
Alors, Catherine et après Muriel. Bonsoir, Catherine. Bonsoir Véronique. Cartrine. J'écorche Oui. les prénoms maintenant. Comment ça va, Oui. Catherine? Ça va, j'ai l'impression de me laisser vivre, de me laisser aller. Parfois, alors je me culpabilise en me disant, mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Et puis le 6 décembre, c'est-à-dire la mort de mon père, par moments, j'ai des pensées et je me dis, mais tu es monstrueuse, c'est pas normal, tu devrais ressentir plus de choses. Alors que là, par exemple, pour te donner un exemple, bon, il y a eu sur 3 jours, il y a eu un regroupement familial et des cérémonies autour du cercueil. Et si tu veux, j'aurais préféré ne pas voir mon père dans son cercueil. Je ne l'ai pas reconnu. Je le connaissais. Enfin, voilà. Physiquement, je ne l'ai pas reconnu. Et puis, et je me suis dit, mais de toute façon, son âme était au ciel. Et tout ça, c'est une vaste mascarade pour rassurer les vivants. Mais c'est des trucs quand. Il y a une phrase qui dit laissez les morts enterrer les morts. Bah, je me sens coupable d'avoir toutes ces pensées en fait. Tu vois, je me sens coupable. Je me dis mais c'est pas normal. Alors, c'est juste que Catherine n'a pas besoin de ces cérémonies pour faire le deuil de quelque chose ou voilà. Pour Catherine, c'est normal qu'il n'y ait pas toute cette mascarade, parce que pour Catherine, c'est de la mascarade. Mais c'est Voilà. vrai que pour certaines personnes, y a besoin, en fait. Oui, je pense que C'est juste que pour ma Catherine a mère. pris. Oui. Oui, je pense que pour ma mère et mes frères et sœurs, c'était important pour eux, mais pour moi, c'était pas important du tout. Voilà, oui. C'est parce que y a un niveau de conscience qui n'est pas le même, en fait. C'est pour ça. En fait, c'est le mental de Monique, pardon, de Catherine qui lui raconte des histoires, en fait, parce que c'est tout à fait juste et tout à fait normal de ne pas avoir besoin de toutes ces de cette préparation, enfin de tout ça. Pour faire le deuil de quelqu'un, en fait. Et c'est juste pour Catherine, en fait. Mais il n'y a pas à se juger pour ça, en fait. Pas du tout. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, je me compare toujours aux autres. Il Je n'y a pas compare besoin. On ne peut toujours. pas se comparer aux Et autres, là. ouais. Oui, mais effectivement. Effectivement, et je me sens. Bon, comme j'ai toujours des Je suis toujours en décalé par rapport au monde, quoi. Toujours, Ben toujours. oui. Et je me dis, voilà. C'est ça, mais il n'y a pas à se comparer aux autres, on n'est pas obligé de faire comme les autres. C'est pas parce que ils sont tous dans le même système que tu es obligé de faire le même système qu'eux. Et si tu le fais pas, et ben c'est juste pour toi. C'est pas juste pour eux, ben c'est pas juste pour eux, mais pour toi c'est juste. Donc pourquoi Catherine se forcerait à faire des choses qu'elle n'a pas envie? Tu vois? Oui. Faut Oui, vraiment. mais. Dis-moi. Oui, mais tout ça fait que je suis vraiment coupée de ce monde-là, en fait. Je suis un peu coupée du monde. Non, c'est parce qu'il y a, une. Comment je veux dire? C'est pas une question d'être coupée de ce monde, c'est juste que j'arrive pas à trouver ma place dans ce monde. Voilà, c'est ça. C'est ça, C'est pas j'ai être pas. coupée du monde, c'est Voilà, que c'est ça. J'arrive pas à Catherine, trouver ma alors, place. étant donné qu'elle ne trouve pas sa place, ça veut dire qu'elle n'assume pas complètement ce qu'elle est. Voilà. Oui, C'est c'est voilà, c'est exact. simple.
Vraiment assumer qui on est et ce qu'on fait, bah, c'est vraiment... Il n'y a pas de décalage avec le monde, en fait. Si ça dérange, ça dérange. Hein. Voilà, hein. C'est OK. Hein. Tu vois? Oui. C'est vraiment... c'est une histoire de petite fille encore qui a peur d'être jugée par sa famille. Parce que là, ça parle de ta famille. Mais c'est vraiment une histoire de cette petite fille qui est pas comme les autres, qui va être encore jugée, le vilain petit canard, ouais, le petit canard noir. Enfin, voilà, les trucs comme ça. Quoi. C'est ça dans ton inconscient. Et t'en as marre un peu d'être le vilain petit canard, quoi. Oui. Tu vois ? Oui, oui. D'être différente. T'es fière d'être différente, mais des fois, c'est un peu lourd à porter. T'aimerais être différente, mais être intégrée aussi, tu vois ? Voilà. Et bien, c'est possible. Et en fait, je ne suis pas très intégrée. Mais c'est possible d'être intégrée. Si Catherine s'affirme dans qui elle est, elle est intégrée. Il n'y a pas de raison. Si elle assume complètement ce qui elle est, ça dérange plus Catherine. Et si ça dérange les autres, Catherine peut dire ce qui est sur le moment. Pourquoi si ou pourquoi ça? Et sans se justifier, bien sûr. C'est comme ça. Oui. Oui, oui. Ouais. Et plus j'assume pleinement ce que je suis, en fait, plus ça dérange, déjà d'une, mais du coup, ben, les autres ont moins d'impact sur toi, si tu veux. Tu vois? Oui, c'est vrai. J'en parle en connaissance de cause, hein, donc... oui. Ah oui, c'est vrai que... Véronique a assumé complètement qui elle était et je vois la différence, tu vois? Voilà. Mais c'est vrai que ça demande un travail intérieur. Voilà. Ça demande un travail intérieur et ben, je sais que Catherine est assez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Mais étant donné que Catherine commence à se poser cette question, ça veut dire qu'elle commence à vouloir s'assumer complètement, du coup, avoir complètement ses blessures. Donc, c'est chouette. Oui, mais je sens que. C'est pas loin. Je sens que j'arrive, mais c'est, ouais. C'est très subtil. C'est pas loin. C'est très subtil, mais tu vois, par exemple, j'arrive à ne plus me cacher même de mon compagnon pour faire des choses, alors qu'il accepte complètement. Mais moi, c'est toujours, faut que je me cache, fais les. Voilà. C'est ça. Quand je joue du tambour, je me cache. Quand je fais des trucs, je me cache. Et là, maintenant, j'arrive un peu plus à le faire comme ça. Tu vois, et je sais que c'est très très bien accepté, mais au fond de moi, c'était toujours, c'est toujours ça, c'est me protéger, me cacher. Ouais, me cacher. C'est ça. Oui, c'est la petite fille en fait qui a peur et qui a peur du retour du bâton. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est chouette. Voilà. Oui, c'est chouette. Ça bouge, Catherine. Ça bouge, oui, ça bouge. Ça bouge, c'est vrai. Je sens qu'au fond de moi, c'est quand même plus tranquille. Oui. Même quand je constate tout ça, c'est plus tranquille. Je me dis, mais dans le fond, voilà, c'est comme ça. Si, c'est plus tranquille et il y a moins d'histoire, Catherine. Oui. C'est plus précis. C'est plus, ça va droit au but maintenant. Oui. Tu vois? Ah oui. Et c'est important. Ça part plus partout et c'est bien précis. Il y a une idée, donc je reste sur cette idée et c'est très... oui, ça a bien bougé quand même. C'est chouette. Oui, je sens que ça bouge sans que je puisse mettre vraiment de grands mots dessus ou de grands... Non, voilà. c'est infime, c'est des petites choses, c'est des petites perceptions. Voilà. C'est très subtil. C'est subtil. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui dans mes soins. On me l'a dit plusieurs fois, c'est très subtil. Ça avance, mais c'est très subtil. Voilà. Mais en attendant, ça avance et c'est ça qui est chouette. Je descends D'accord, en douceur dans mon intériorité, dans qui je suis. Et comme je descends en douceur, je peux poser dans la matière ce beau parfum que je suis, tu vois. Et en étant, il peut y avoir du vent, je reviens dans l'axe de tempête, tout est souple, tout est. Tu vois, c'est ça. C'est ça que. Voilà. Catherine est en train de mettre en place.
Et pour ça, pour arriver à ce résultat-là, comme le bambou, toi, ou le roseau, qui, eh ben, c'est du temps, c'est de la patience, c'est millimètre par millimètre. Voilà. Oui, quand on y va comme passion. Des bourrins et qu'on y va comme des... Au bout d'un moment, ça fait bip, 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 burn-out, voilà, des trucs... c'est la patience. C'est chouette. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Véronique. Excellente fête à toi. Voilà, merci. Et toi aussi. Oui, j'ai commandé plein de choses au Papa Noël. Voilà. Écoute, à très bientôt, Catherine. Et de très bonnes fêtes. Oui, merci. Toi aussi. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais faire rentrer Muriel. Et après, j'ai vu qu'il y avait le petit bonhomme. Alors, c'est où ? Je ne sais plus. Parce qu'il n'y a pas toutes les caméras. Comme je ne veux pas qu'il a... Je crois que c'est Abby. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Donc après, là, je prends Muriel. Et après, je prends le petit bonhomme avec sa maman. C'est OK ? Ouais, c'est toi. Ouais. Tu vois que tu fais coucou. Ça marche. À tout de suite. Alors, Muriel. Toc. Présence nomade. Excellent. Bonsoir Muriel. Bonsoir Véronique. Bienvenue au Chaudron Magique. Ouais, merci. Merci d'accueillir les êtres humains dont je fais partie au Chaudron. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. Et en même temps, il y a une part de moi qui vit des choses. Et c'est marrant, à chaque fois que je t'appelle, en tout cas les dernières fois, c'était pour le même sujet. Donc, je vais bien. Oui. Pardon. Non, vas-y. Excuse-moi. Ouais, ça vient toucher des parts de moi ben, blessées, comme les précédentes personnes qui sont passées. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir, c'est... ces parts qui sont insécurisées, mal entendues, mal comprises, et de voir à quel point elles se sentent mais profondément tristes, en fait, beaucoup de tristesse. En tout cas, pour moi, j'ai touché une tristesse là, tout à l'heure. Donc, c'est pour ça aussi que je te contacte. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une question ou pas ? Je sais que c'est Muriel, il n'y a pas souvent des questions. Non, parce que je sais que tu captes. Ok, alors c'est marrant parce que donc c'est vrai que je ressens quand même un peu comme un stress en fait, Muriel. Je ressens un stress en fait. Mais en fait, quand tu parlais, il y avait aussi une grande joie. C'est marrant, hein, c'est très. Il y avait une grande joie aussi, toi. Alors peut-être tu la ressens pas, mais il y avait une très grande joie. Mais une joie pas. Une joie de vivre, tu vois. Une envie de vivre, voilà, c'est ça qui était ressenti. Voilà, il y a cette envie de vivre, mais vraiment, hein, c'est fort, c'est très fort chez Muriel, beaucoup plus que d'habitude. Et du coup, c'est comme si, ouais, en fait, Muriel aime la vie, quoi, toi, c'est ça. Alors maintenant, je vais revenir sur cette partie-là qui est stressée ou angoissée, je ne sais pas, il y a un truc, hein, il y a quand même, il y a une partie qui est stressée, angoissée, il y a de l'insécurité, Muriel, voilà, c'est ça qui me vient, c'est de l'insécurité. Du coup, c'est pas très confort là, d'avoir dit l'insécurité. Alors, j'ai vaguement ressenti le fait de ne pas trop savoir où je vais. C'est ça, Muriel ? Oui. Oui, oui, il y a d'un point de vue physique, parce que je sens vraiment de quitter ce lieu. En plus, je me suis dit, pour mon anniversaire, donc c'est le 4 janvier, j'aimerais m'offrir
ce oui à la vie où je ne sais pas où je vais aller, mais où j'ai envie d'aller goûter le bon de moi. Parce mm-hmm. qu'ici, je ne parviens pas à goûter le bon dans le sens, ce bon plein que j'ai en moi, je ne trouve pas écho ici. Donc, j'ai cette joie de vivre et de partager cette joie avec d'autres êtres qui le goûtent. Et du coup, il y a où je vais aller, je ne sais pas. Ce que je vais faire concrètement, je ne sais pas. Mais j'ai un élan de vie qui est là. Ouais, c'est ce que je ressens en fait. Alors du coup, en fait, ça vient chercher cette insécurité là de ne pas savoir. Ça ramène chez Muriel à une blessure en fait. Une blessure profonde, en fait. C'est quoi dans ton système maintenant? En fait, là, à partir de là, maintenant, Muriel, est-ce que tu pourrais éventuellement me donner une question ou juste un truc, pas forcément une direction, mais un truc qui pourrait m'emmener où je pourrais cibler plus? Qu'est-ce qui me lie encore à cette personne-là avec qui je cohabite, on va dire, plus ou moins sur le lieu, et qui n'est pas, ce n'est pas quelque chose de nourrissant pour moi, en fait. Et je le sais, et je me retiens de partir pour l'histoire du camion qui n'est pas fini, enfin, toutes sortes de choses. Ça me ramène, alors tu sais quoi, Muriel, ça me ramène, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était, tu étais venue hein, au Chaudron, ou je ne sais plus où. Ouais, ça me ramène à une période, une période où tu t'avais contacté aussi Véro et c'était un peu cette situation. Complètement. et ça me ramène là, en fait, à chaque fois. Toi, j'étais pas sûre, mais il me semblait bien qu'il y avait un truc, voilà. Et ça me ramène dans cette même truc. Je vais aller voir plus loin, du coup. Donc, la question, c'est pourquoi Muriel n'arrive pas à prendre de décision pour partir, en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà. Quand elle est prise, elle n'est pas actée jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ça passe pas à l'acte. C'est marrant parce que quand j'ai dit ça passe pas à l'acte, d'un coup, j'ai vu comme un petit fœtus, tu vois? Comme un petit bébé qui est lové à un endroit et qui a peur de partir de cet endroit. Tu vois, ça te parle, ça? Ah, complètement. Complètement. Ouais, j'ai vraiment eu cette image, vraiment. Et pour toi, même si c'est inconfortable pour toi, c'est confortable pour ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur a connu ça. C'est un équilibre pour ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui te mène par le bout du nez. Voilà. Waouh, ça n'avait jamais été vu, ça, ma belle. C'est... Donc, la grande acte à partir, toi, elle a envie, elle a cette joie, cette truc d'aller goûter. Elle sait, en plus, elle connaît. Elle sait qu'elle peut faire d'autres expériences, qu'elle peut rencontrer d'autres personnes. Mais la petite fille intérieure qui n'est pas rassurée se sent rassurée dans cet équilibre, dans cet environnement. Parce que c'est un environnement qui la ramène quand elle était enfant. Ou voilà, tu vois, il y a des similitudes qui font que ça la rassure. Alors, c'est un peu comme, tu vois, les enfants qui... Tu sais, un enfant, il a beau être malheureux avec ses parents ou taper ou je sais pas quoi, il aime ses parents. C'est son équilibre. Tu vois? J'entends. C'est le même principe. C'est pour ça que là, Muriel ne prend pas cette décision définitive parce qu'il y a ce truc qui l'arrache. Tu vois? Il y a ça. Mais ça me traverse. Là, je suis traversée. Mais je le sens, je l'ai en conscience ce que tu me dis. Je me dis, je vois bien que ce sont des schémas de l'enfance qui sont nourris ici, nourris dans le sens même pas nourris, nourrissant, c'est pas nourrissant, mais comme c'est connu, c'est rassurant. Et je sens ce côté, je suis pas, enfin, tout va bien, mon être n'est pas nourri ici d'un point de vue
voilà, la nature me nourrit. Et pour autant, ça reste, et je regarde ça avec amour hein, en même temps, je regarde ça avec beaucoup d'amour. Et comme j'ai déjà acté de partir et que je ne suis pas partie, là, je me dis, non, Muriel, là, c'est le dernier cara, quoi. Non pas arrache-toi d'ici, envole-toi d'ici. Pour que ce soit plus doux pour toi, en fait, c'est vraiment reconnecter ton enfant intérieur et rassurer cette partie de toi, en fait. Enfin, elle sait que chez Muriel, c'est pas trop son truc. Enfin, voilà, tu descends dans l'émotionnel, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vraiment important pour que ça nourrisse l'intérieur et que tu puisses rayonner après complètement et assumer complètement ce choix. Muriel ? Oui. Ah, pardon, je croyais que ça avait bloqué. Non. C'est, c'est vrai que Muriel bouge pas. C'est vrai que Muriel bouge pas quand on lui parle. C'est vrai. Ben, ouais, parce que je t'écoute profondément et puis je regarde ça infuse. Et puis je regarde, toi, quelles informations vont t'arriver parce que plus j'interfère, moins tu reçois. Donc, c'est vrai. Alors, il y a une notion de papa qui vient aussi. Il y a une notion de papa, mais je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais il y a papa. Il y a bien la présence de papa qui est là. Ça doit jouer un rôle dans la situation que tu vis actuellement. Ouais, tu vois, il y a une notion de papa qui est présente. Ah, complètement. Il y a une histoire de domination aussi. Oui. Ça, c'est ça? En fait, j'ai des petites bribes comme ça qui me viennent. Comment je peux te dire ? En fait, il y a papa qui est venu parce que la notion de domination était avec papa et il y a un homme où tu es là. Oui. C'est ça ? Et cet homme prend le rôle un peu de papa, si tu veux. Complètement. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vois. Enfin, c'est ce que... Je ne sais pas comment le dire. Je l'entends, je le vois, je le sens. Je le perçois. Ouais. Mais complètement, c'est exactement ça, Véronique. Exactement. Je vois bien que je suis sur ce lieu et je vais en partir pour la même et unique raison, c'est de prendre en charge cette part de moi et de la, comme tu dis, de la rassurer, de la prendre par la main, en fait, de lui dire que je suis là pour elle et qu'il n'y a pas besoin d'un substitut extérieur pour prendre soin de... Il faut vraiment lui dire que tu peux être son substitut. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est ça, en fait. Et pour toi, pour que ça puisse... ouais, c'est ça, c'est accueillir cette petite fille, en fait, et la rassurer. En fait, quand Muriel a besoin de prendre sa décision, en fait, soit elle rassure cette part d'elle qui est un peu inquiète avant de prendre la décision. Et logiquement, si c'est vraiment fait avec le cœur et avec vraiment, tu vois, l'alignement complet, ça va s'alléger et ça va pouvoir passer à l'action. Ouais, tu vois, je touche à une émotion quand tu me dis ça. Je sens cette proximité, tu vois, entre moi et moi, on va dire. Oui. Oui, parce que, en fait, ma belle, plus ça va, plus l'étau se resserre sur la blessure. Ce qui est normal. Parce qu'étant donné que Muriel est vraiment connectée et qu'elle fait beaucoup de choses pour que, voilà, au bout d'un moment, la blessure, ça se resserre et je ne peux pas faire autrement que de la voir, quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Soit je reste comme ça et je ne bouge pas et voilà, ou soit je vais dedans et je vais goûter, en fait. En fait, c'est ça, c'est le même système que je m'en rappelle plus, où elle a senti son doudou, tu vois, et que sa maman lui a donné son doudou. Mais toi, c'est pareil, c'est là, ben là, j'en suis là. Est-ce que j'ai la force, est-ce que j'ai le courage d'y aller, est-ce que j'ai le courage d'aller voir cette blessure qui m'a vraiment, voilà. Et eh bien, je vais fait.
acter ça entre, ouais, dans les 24 heures, je peux dire, je vais acter ça. Ouais, j'imagine bien, Muriel. Ouais, j'imagine bien. Ça, c'est clair. Ouais. Je te fais entièrement confiance là-dessus. Ouais, parce que quand c'est, tu sais, quand c'est remonté à la surface et que c'est mûr, hein, mûr dans le sens aussi. Tout à fait. Ben, c'est le moment d'aller accueillir ça, en fait, de prendre vraiment soin. Tu vas voir, ma belle, que quand Muriel va comment. Ah, pardon, ça a coupé. Oui, pardon, excuse-moi, c'est micro. Non, c'est parce que ton micro avait coupé, donc j'ai pris la parole, je croyais que tu avais arrêté. Mais... ouais, j'ai pris pas mal de d'actes dans ce sens d'aller prendre soin de ses parts. Blessée et il y a eu des retrouvailles et je sens que c'est vraiment le, tu vois, avant cette date, on va dire anniversaire, c'est symbolique mais pas que, hein, vraiment énergétiquement, et d'honorer ça, d'honorer cette vie pleine en moi et de ouais, et récupérer ses parts, hein, de pour Muriel, ça va pas être évident au début, c'est ressenti, mais ça va passer, si tu veux, toi ça va te tomber dedans, en fait. Voilà. Voilà, ma belle. Juste une précision, quand tu dis ça ne va pas être évident, c'est quand je vais aller reconnecter. C'est-à-dire que cette blessure ne va pas être évidente à se reconnecter à elle, si tu veux. Tu vois, ça ne va pas être évident. Ça va être une évidence pour toi d'y aller et puis, oh, allez, j'y vais, quoi. Non, non. Ça va goûter, ça va revenir plus profondément, ça va revenir, tu vois, ça va, et puis hop, ça va basculer, tu vois. Ou alors tu vas commencer et puis il va arriver, ça va te monter dans les tours, tu vas recontinuer, tu vois, et hop, ça va basculer parce que bah, tu vois que c'est plus possible, tu vois. Ouais. Il va falloir un peu, voilà, c'est ce qui est ressenti, mais après tu verras, d'accord, ma belle. Ouais, c'est OK pour toi ? Ouais, c'est OK. Merci. Et puis à très bientôt, Muriel. Présence nomade. Merci. Merci à toi. Mais j'aime bien. Merci. Et j'aime bien ta phrase que tu dis aussi. C'est quoi que tu dis déjà ta phrase ? J'adore. À la vie. Sache que tu es la beauté de la vie, quoi que tu penses, quoi que tu fasses et quoi qu'il se passe dans ton existence. Voilà, c'est ça, j'adore. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais j'adore. Merci à toi. Merci. Le meilleur. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Muriel. Alors là, je vais faire passer le petit bonhomme. Après, il y a alors ça doit être Aurélie. Alors Aurélie, j'aimerais que tu mettes la caméra avant que tu passes, pour que je sois sûre. Et puis, il y a aussi Dida, j'ai besoin de voir le visage. Merci. Ok, c'est bon Dida, c'est bon. Donc après, alors, je prends de Abby et après c'est Evelyne. Alors, bonsoir Véronique, bonsoir, gratitude, merci bonsoir. Pour cette belle soirée. Alors, le prénom de maman, c'est comment ? Saïda. Oui. Ok, bonsoir Saïda. Et le petit bonhomme, il est timide. Comment tu t'appelles ? Trop contente que tu sois là. Comment il s'appelle, gratitude. Ce petit bonhomme ? Zéine. Attends, excuse-moi, Zéine. C'est ça ? Oui. Ouais. Tu es très joli, petit bonhomme. Alors, tu voulais venir me voir, c'est ça ? Tu sais, en fait, tu peux parler, je t'entends, même si je ne te vois pas, ce n'est pas grave. Est-ce que tu préfères que maman, elle enlève la caméra ? Ou tu veux quoi ? Tu veux qu'on enlève la caméra, tu parles ? Ouais, c'est comme il veut, je l'ai vu, c'est bon. Gentil petit garçon. Trop mignon. Allez, tu peux poser. Alors, dis-moi, question. Vas-y. Elle t'entend. Comme ça, c'est plus facile pour toi, bonhomme. Ben, dis-moi. En fait, à chaque fois, ben, j'embête les autres. Ouais. Et j'arrive pas à me contrôler et tout le temps, j'embête les autres et maman,
Elle me dit d'arrêter et je n'arrive pas à arrêter. Ok. Alors, c'est parce que... comment je vais te dire ça, mon petit bonhomme? C'est parce que tu as du mal à trouver ta place. Alors, c'est parce que, en fait, c'est pour aborder sur les enfants, c'est pas... il y a... Qu'est-ce qui t'embête avec... En fait, je sens... elle est là, maman? Oui, oui, oui. En fait, ce petit bonhomme est un... Je vais parler d'abord à maman, mon bonhomme, et puis ça va venir à moi. Je vais te trouver les mots, t'inquiète, tu restes là et ça va venir. Ce petit bonhomme est un hypersensible et un empathe. Oui, c'est vrai. Voilà, il a beaucoup d'empathie, de douceur, en fait, ce petit bonhomme. Et la problématique, c'est dans la société où on est aujourd'hui, il faut être dur, voyez. Et il fait souvent le dur, ouais. Ouais, mais oui, parce que pour lui, c'est une valorisation d'être un homme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une valorisation d'être un homme, ouais. Bah oui, en fait, c'est... ce qu'on va faire, oui. C'est qu'on va le faire en privé, parce qu'il y a besoin de dire des choses, et j'ai besoin de parler au petit bonhomme, mais du coup, ça va être long. Et... D'accord. Mais en fait, parce que j'ai besoin de poser des questions à maman avant, en fait. Parce que j'ai plein d'informations, mais je ne peux pas les balancer comme ça. Et puis pour le petit bonhomme, pour son respect, c'est juste. Par contre, je vais essayer de l'éclaircir un peu par rapport à ce qu'il vit. Oui. Alors, parce que du coup, il est beaucoup dans la colère. Oui. Et après, il reçoit de l'énergie de rejet parce que, oui. Comme il embête les autres. Parce qu'il y a une notion de... Alors moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a une notion de papa. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste, hein. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Et du coup, mon petit bonhomme. En fait, si tu fais ça, si tu embêtes les autres et si tu déranges les autres, c'est parce qu'au fond de toi... t'as envie qu'on te dise qu'on t'aime, toi. Et c'est une façon pour toi, en embêtant les autres, eh ben, que les autres te voient, te remarquent. Pour toi, en fait, quand les autres te remarquent et te voient, c'est un signe d'affection. Ça veut dire qu'ils pensent à moi et tout ça. Tu vois ça, mon bonhomme? Comment il va, là? Du coup, je ne vois pas. Mais... Ouais, ben, il cligne des yeux. En fait, on va remettre la caméra. Tu sais, maman, elle va me contacter en privé. Tu D'accord. Sais, et puis, on va se téléphoner et je vais t'expliquer tout ça. C'est normal, mon chéri, en fait. C'est tout à fait normal parce que je ressens plein de choses et c'est tout à fait normal. Et c'est pas dramatique. Tu es un petit garçon tout à fait normal. C'est juste que tu as besoin de trouver ta place. D'accord? D'accord. T'es un gentil petit garçon, plein d'amour. Moi, je sens que t'es une grosse boule d'amour. Oui. Merci. Eh oui, t'es un gentil petit garçon. C'est... En fait, ouais, c'est parce qu'il ne trouve pas sa place, en fait. Il n'a pas trouvé sa place, il se cherche. Il a besoin... Ouais, mais... En fait, il lui manque une reconnaissance paternelle. Comment c'est ça? Après, il voit tous les week-ends son papa. Ouais, mais il y a, ouais, ben c'est ça, j'en suis sûre. Mais ouais, mais je sens bien tout ça. C'est tout à fait normal, mon bonhomme, parce que comme tu es un petit garçon qui ressent beaucoup, beaucoup les choses, en fait, et ben en fait, c'est trop débordant chez toi, en fait, si tu veux, et ça se transforme un peu en colère, quoi.
toi. Mais en message privé avec plaisir. D'accord ? Oui, on viendra. On prendra du temps et ça sera plus facile. Parce que là, en plus, il pourra se montrer à la caméra, ça sera plus simple pour moi. D'accord, oui. On fera ça. Ça va pour toi, bonhomme ? Oui. Excellent, j'adore. Je te fais des gros bisous. Je suis vraiment très fière de toi. Je suis vraiment très fière de toi que tu sois venue parce que tu sais, il faut beaucoup de courage. Tu es trop courageux. Merci. Je te fais des gros, gros bisous. Merci Véronique. Et je te dis à merci très bientôt. Bonne soirée. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonhomme. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Oui. Et t'es un gentil petit garçon, mon bonhomme. Merci. Petit bonhomme. Alors, Evelyne, après Dida. Bonsoir Evelyne. Comment ça va? Je suis beaucoup chaude dans mon corps en ce moment. Dans mon corps, dans la famille, c'est un peu bougé. Mais c'est pas très stable. Donc, voilà. C'est ok, c'est normal. Mais dans mon corps, là, je vis beaucoup de choses. J'ai des nodules qui grossissent, mais fort, quoi. Ouais. Et du coup, ça, sous les côtes, ça me brûle et tout ça. Et après ton intervention l'autre jour, moi, j'ai vécu des trucs de fou la nuit, enfin. comme si j'étais plus connectée à mon corps. Et du coup, je ressentais des coups d'électricité partout. Enfin, un truc, c'est vraiment un truc. Et là, depuis que je suis dans la salle avec toi, tout ça, je profite de la présence qu'il y a pour sentir encore plus. Ça me permet vraiment de... C'est comme si quand je suis avec... dans ma famille, quoi, je ne m'autorisais pas vraiment, même en méditation, d'être vraiment dans mon corps, quoi. Tu vois. Et là, je ressens tout beaucoup plus fort, tu vois. Alors, ça me tient encore plus la gorge. Ça me brûle plus sous les côtes. Je ressens plein de sensations vers les oreilles, tout ça, plein de... Sachant que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Mais je sais pas à quoi tout ça s'est relié, tu vois. Pourquoi je vis ça, tu vois. Pourquoi tu vis quoi, ma belle? Toutes ces sensations dans le corps, à quoi c'est lié, tu vois. C'est des résistances. Voilà, voilà. Alors ça, j'ai bien compris. Les trucs qui empêchent l'émotionnel d'être ressenti, je ne sais pas. Tu vois. En fait, qu'est-ce que tu appelles tous les trucs dans mon corps? Les douleurs, c'est quoi? Tout ce qui est au niveau là, tu vois, déjà, c'est comme si il y a un truc qui me serrait de l'intérieur. Qui... Alors, ça ne m'empêche pas ni d'avaler, ni de respirer, mais ça se resserre, enfin, ça presse de plus en plus. C'est parce que c'est quand c'est des sensations comme ça, c'est la résistance à pas ressentir, à pas vivre pleinement. D'accord. Si c'est des sensations dans le corps. Ouais, et du coup, je sens qu'en même temps que ça me prend sous les côtes là, tu vois, comme si c'est comme ça. Oui, c'est parce que je veux dire. Oui, elle n'arrive pas à poser les actes naturellement, tu vois, de tout ce qu'on avait dit, je pense. Elle n'arrive pas à poser les actes naturellement et il y a des résistances, ma belle. Voilà. Il faut bien que ça passe quelque part, tu vois. Parce que, comme elle t'avait dit, il n'y a pas de non-retour, quoi, tu vois. Maintenant, on acte tout de suite. Tu te rappelles ? Oui. Et en fait, là, du coup, Evelyne est vraiment dans l'impasse où, voilà, je ne peux plus reculer, je ne peux que avancer. Toi, regarde.
Et Evelyne, là, quand elle vient là. Ça me remet devant des actes, des décisions que j'avais prises où j'étais pas soutenue autour de moi. Je me sentais pas. En fait, là, ça remet juste Evelyne dans sa responsabilité de poser ses actes, ma belle. Tu vois, ma chérie? J'ai l'impression que c'est un combat. Que quoi? Que c'est un combat, tu vois? Non, c'est pas un combat, ma chérie. C'est un combat maintenant. Parce que ça résiste, en fait, tu vois? Et il y a encore ce truc qui vient pour dire « Tu vois, je fais tout ce que je peux, c'est pas de ma faute. » Tu vois, ma belle? Tu comprends? Non, pas vraiment. Dans quel sens il y a un truc qui fait bras ballants, tu vois. Qui fait quoi, ma belle? Qui fait bras ballants, qui fait j'arrive c'est pas quoi, bra... qui c'est quoi bras ballants qui fait j'y arrive pas hein, qui... Qu'est-ce que tu arrives pas à faire, en fait? Qu'est-ce que dur, ma chérie? C'est comme s'il y avait une force qui faisait tout retomber mes efforts comme un soufflet, tu vois. Déjà, concentre-toi sur ton ressenti pour l'instant, d'accord? Voilà, parce qu'il y a besoin. Concentre-toi sur cette émotion qui est là, sur ce ressenti, sans poser quoi que ce soit. Voilà. C'est juste que c'est parce que c'est nouveau pour Evelyne. Voilà. Donc, je vais peut-être pas poser 50 actions dans la journée, mais je vais peut-être en poser une qui sera juste. Tu vois? Et tant qu'elle n'est pas fluide, je la pose, cette action. Quand elle est fluide, j'en pose deux actions. Tu vois, ma belle? Peut-être qu'Evelyne a voulu en faire trois d'un coup, quatre d'un coup. Tu vois? Voilà. Voilà. On va voir, ça va être plus fluide. Reviens sur ta respiration. Voilà. Parce que ça s'emballait, ça partait en panique, c'était un peu, voilà, la victime, l'enfant intérieur, c'était tout mélangé, là, tu vois. Il y avait un truc où est-ce que je peux lancer une perche ou un javelot pour que quelqu'un le rattrape, quoi. Donc j'ai tout essayé, la victime, l'enfant intérieur, la coupable, j'ai tout essayé, j'ai lancé plein de perches, personne ne les a rattrapées. Mais oui, parce que personne ne les a rattrapés, parce que si j'en avais rattrapé une, ça veut dire que je soutiens Evelyne dans ce qu'elle est en train de jouer. Tu vois, ma belle? Par contre, là, en calmant Evelyne, je vais pouvoir la ramener et poser des choses justes pour elle. Voilà. C'est juste que ça panique, en fait, ma belle. Parce qu'il y a plein de choses nouvelles. Voilà. En fait, pour ceux et celles qui sont présents, en fait, Evelyne a fait une session avec moi et hein, c'est ça, parce qu'ils comprennent peut-être pas forcément, étant donné que c'est un peu... Et ben, on a vu des choses et du coup, j'ai posé des choses pour qu'Evelyne puisse avancer dans son tous les jours, quoi. Hein. Sauf que Evelyne a peut-être fait un peu trop par rapport à ce que je lui avais demandé. Et ça a dit beaucoup. T'as pas fait. Justement, j'ai fait au début. J'ai claqué parce que ça. Ah bah oui, je me rappelle. Conscient qui n'était pas d'accord. Donc ça fait migraine et c'était un peu compliqué. Après, pendant les deux, trois premiers jours, ça a bien. J'ai fait ce que tu m'as dit. Là, ça retombe. Tu vois, ça retombe un peu. Et parce que ça refait les choses
parce qu'on m'a dit de les faire, tu vois. Et... Oui, parce qu'elle ne trouve pas son côté fun, elle ne trouve pas son bonheur, sa jouissance là-dedans. En fait, c'est à Evelyne de trouver un truc fun dans ça. Tu vois ? Si elle fait les choses bêtement de ce qu'on lui a dit, au bout d'un moment, ça va être lassant, ça va être chiant, tu vois. Il faut trouver un truc fun, un truc qui change. C'est quoi ma folie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes enfants ? Quel truc de dingue que j'aurais aimé faire enfant ? Enfin, je sais pas, moi, des trucs, tu vois. Il y a le système qui veut être conventionnel. C'est-à-dire que ça doit être super sérieux, ça doit être super... ben non. Prends des œufs, joue au ping-pong. Et tu mets des cuits et des crus, tu vois. Et c'est drôle, hein. Les gamins, ils adorent. Hein. Moi, je l'ai fait, ça. Ils adorent ça. Tu fais cuire des œufs et des crus et tu joues au ping-pong. Ou au tennis, toi. Et à des fois, tu tombes sur des cuits, à des fois sur des crus. C'est marrant. C'est drôle, mais toi, c'est du fun. Ça peut être plein d'autres choses, mais du fun. T'as besoin de mettre du fun dans ta vie, là. C'est interdit, le fun, tu vois. D'ailleurs, bah, viens chez moi, tu vas voir, c'est pas interdit, hein. Mais oui, ouais. Y a rien d'interdit. C'est juste Evelyne qui a des croyances que c'est interdit. Ouais, c'est fort comme croyance. Elle change là. Mais là, en positive, cette croyance. Je suis fun. Tu vois ? Et j'en suis sûre, si tu mets du fun et tu penses au fun et tu vois ton truc demain matin, ça n'a rien à voir. Hein. Mais ce que tu as envie de mettre. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre ? Vraiment. Ça va mieux là? Je sais pas comment dire. Il y a un truc qui révise là. Ça se calme. Cherche. Ça n'a pas à chercher, ma belle. Et accueille ce qui vient. Voilà. En fait, là, c'est triste parce que là, Evelyne se rend compte qu'il n'y a plus de... comment je vais dire ? Je lance des flèches et on rattrape plus les flèches, quoi. Tu vois ? Est-ce que tu le ressens, ça ? Je ne comprends pas, en fait. Enfin, Evelyne ne comprend pas. C'est-à-dire que... Tu vois à peu près ce qui se passe, mais... Ah ben, Evelyne, c'est pas compris. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre, de toute façon ? Non. Voilà. Mais... Il y a de la colle émotionnelle ici, mais...
Vie, c'est une belle émotion qui arrive, en fait. C'est un gros câlin, en fait. Tu vois, il y a besoin d'un gros câlin. C'est ça, en fait, qu'elle a besoin d'Evelyne. Elle a besoin d'avoir un gros câlin et de se sentir rassurée. C'est ça qui lui manque à Evelyne. Elle a besoin qu'on la prenne dans ses bras et qu'on lui dise « T'inquiète pas, tout va aller. » Elle a besoin d'une maman qui vienne là, qui vienne lui dire « Regarde, fais comme ça, c'est super comme ça. » Et puis « Ah, ce que tu fais, c'est génial. » Elle a besoin de ça, Evelyne, tu vois. Elle a besoin d'être soutenue. J'essaie de faire ça avec mes enfants, mais... C'est difficile parce que Evelyne en a besoin, déjà à la base. C'est pour ça que ça capote, en fait. C'est parce qu'elle peut le faire une journée, deux jours, mais le troisième jour, c'est plus possible, parce que ça puise tellement dans tes ressources. Étant donné que les besoins des villes... Je me dis, comment je vais faire quand il n'y aura plus rien? C'est quoi, rien? Quand il n'y aura plus rien, quoi? Quand il n'y aura plus l'énergie de faire ça. Une maman a toujours l'énergie, ma belle. Une maman trouve toujours des ressources. J'ai toujours l'impression de faire les choses. Forcée. Contrainte. Dans la volonté, dans le... C'est parce qu'Evelyne n'a pas vu, comment je veux dire, la vraie problématique, en fait. Elle se ment elle-même, en fait. Il y a beaucoup, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de déni, mais... Et comme elle se ment elle-même, et ben, du coup, ça résonne dans sa vie, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas respecté chez Evelyne, en fait, aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que Evelyne a besoin qu'elle n'a pas? Voilà. Peut-être qu'elle n'en a même pas conscience. Non. Pas trop. Il y a une partie qui a conscience, mais sinon j'ai... Ça va mieux. Ouais. Il y avait besoin de vider le sac et de voilà. Et mets du fun, tu t'en fous de ce que c'est. Personne ne le voit, c'est chez toi. Franchement. Oui. Ça arrive que cette... Et les enfants, ils adorent. Et je sais même pas si les parents s'amusent pas plus que les enfants. Quand on met du fun. Mais si, ça arrive. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps léger. C'est comme ça. Oui, et puis après, la vie n'est pas tout le temps légère. Hein, voilà. Mais il faut que ça soit un équilibre. Il ne faut pas que ce soit trop chiant par rapport à être légère. Il faut y avoir un équilibre. Ça fait du ménage. Ça fait du bien. Il y a besoin. Oui, parce qu'en fait, Evelyne a besoin d'une personne qui la soutienne. Qui lui dit c'est bien et tout ça. Il y aurait une amie ou une voisine ou quelque chose comme ça qui viendrait et qui lui dirait. Il n'y aurait pas besoin de cet espace-là pour venir, toi. C'est ça, en fait. Mais c'est juste, hein. Il y a cet espace, donc prends-le. Il est là pour. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Que je te disais. Il y a des moments où j'étais vraiment pas bien, je prenais des décisions et que ça me paraissait juste. Et
J'aurais besoin que, par exemple, mon mari me soutienne, tu vois. Et lui, il me disait tout l'inverse, tout ce que je voulais. Je lui dis, pour encore que je me batte, ou est-ce que je vais trouver l'énergie de et être en face de ce que je dois vivre et en plus être combattre la personne qui est censée être, m'aider, être avec moi. Il n'y a pas à la combattre, en fait. Non, mais c'est vu comme ça à ce moment-là, ça me remet, ça me remet là-dedans. Mais c'est plus doux, là. Ah oui, ça avait dit le sac, du coup, c'est plus doux. Ouais, ça me heureux. Ça te requinque. C'est ma copine qui vient. Ma copine qui vient m'envoyer un mail, qui... un message pour me dire qu'elle me voit. Quel quoi? Ah, elle a dû couper la caméra. À bientôt, Evelyne, alors. Eh bien, super. Bon, bah, écoute, ma petite Evelyne, à bientôt. Prends soin de toi. Donc là, je vais faire rentrer Dida. Après, il y a Valérie. Et après, il y a Aurélie, mais comme je n'ai pas vu la caméra, ben je ne ferai pas rentrer. Voilà. Donc là, je fais rentrer Dida. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dida. Bonsoir Véronique. Bienvenue. Merci. Merci, merci. Ça fait plaisir. Merci. Mais oui, ça fait. J'ai eu une séance avec toi il y a un mois et demi à peu près. Et en fait, c'est mon pseudo Dida pour Facebook. Sinon, c'est Khadija, si tu te souviens. Oui, Khadija. Ouais. Un prénom qui t'emmenait au pays des mille et une nuits, apparemment. Oui, c'est vrai en plus. c'est vrai que ça. Oui. Tu te faisais violence pour revenir. Oui, c'est vrai en plus. Et oui, c'était magnifique. À chaque fois que j'entendais son prénom dans la séance, ça me faisait partir avec des danses. Hein, c'est ça. C'est ça, oui. Ah ouais, mais c'était impressionnant. On va voir ce soir si c'est pareil. Bon, mais c'était tellement beau et puis ça me faisait partir à chaque fois. C'était impressionnant. Si on te voit te lever et danser, hein, on ne va pas être étonné. Comment ça va, Khadija? Mais écoute, ça, hein, oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Parce que je me trompe souvent. Non, c'est parfait. Mais écoute, depuis la séance, j'avais évoqué le fait, tu sais, que mon personnage, Khadija, n'avait plus de contours précis. Ça s'évaporait. Et justement cette sensation elle est toujours là, mais je sens qu'il y a un contenu cette fois-ci depuis le travail qu'on a fait toutes les deux. Et on en est en fait, c'était pas sûr que je puisse toucher mon enfant intérieur lors de la séance, mais je n'étais pas loin et on a réussi et en fait on en était resté où mon enfant intérieur était figé, prostré, mais il y a eu un contact visuel, on se regardait, mais il n'y a pas eu de j'arrivais pas à échanger avec mon enfant intérieur. Voilà, donc comme j'ai un rendez-vous que malheureusement je vais devoir décaler, je suis désolée. J'ai préféré faire un petit coucou aujourd'hui parce que ça va me reporter sinon un petit peu trop loin. C'est ok. Donc voilà, on en était resté. Voilà, je regarde mon enfant intérieur et je te passe le relais. Parce que moi, je ne sais pas faire. Hein. Alors. En ce qui concerne l'enfant intérieur et ce qu'on a commencé en séance, en principe, quand ça vient, je prends l'enfant intérieur et j'emmène, tu vois, au chaudron magique. Mais là, étant donné que ça a été commencé dans une séance, je ne vais pas aller voir l'enfant intérieur s'il ne vient pas là maintenant.
D'accord. Parce qu'il faut du temps pour accueillir, tu vois bien comment, le temps qu'il faut pour mettre en place. Oui. Par contre, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé voir et puis si ça nous emmène, ça nous emmène. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on voie ensemble ou voilà. D'accord. Je ne sais pas. J'étais venue pour, non, mais pour okay. faire, pour, c'est faire la, pour faire la suite. J'adore. Mais sinon, bah, y a plein de choses hein, à voir. Parce que si on part sur la suite de la séance, en fait, on part pour une heure. Ah oui, oui, effectivement. Et je ne rentre pas dans des problématiques aussi profondes parce qu'il faut une heure. Et donc, j'accueille vraiment quand c'est là, bah, c'est OK, on accueille, mais sinon, après, je ne vais pas chercher forcément cet enfant intérieur, tu vois ? Mmh, oui, je comprends. Ouais. Mmh, voilà. D'autant plus que je me souviens de... Il a fallu que tu biaises pour... oui, oui, en plus. Et puis, c'est quand même intime, je trouve, et donc, en direct, c'est quand d'accord. même... Okay. De l'émotionnel, voilà. Donc, je préfère... mais c'est OK, hein. Et si ça vient, ça vient, ma belle, t'inquiète. D'accord, d'accord. Alors, je ne sais pas, est-ce que je peux te poser des questions sur la santé ou tu es comme… Pas trop la santé, mais dis-moi ce qui te vient et puis après on verra comment ça se passe. C'est simplement essayer de comprendre pourquoi j'ai une pathologie. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai dans mon corps une pathologie est-ce qu'il y a un sens à cette pathologie. Ok. Alors, je vais te dire mon retour. On dit souvent que les émotions bloquées créent des tensions dans le corps et suite après à des chocs émotionnels ou des tensions ou des hautes fréquences de colère ou des choses comme ça, ça déclenche justement des maladies. Tu vois. Alors, c'est juste, hein, c'est juste, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi ce qu'on met dans notre bouche et ce qu'on met dans notre corps, en fait. Quelle alimentation on met dans notre corps, en fait. Il y a plusieurs paramètres, en fait, quand il s'agit de maladies ou de douleurs ou des choses comme ça. C'est qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment est mon état émotionnel. Et qu'est-ce que je fais avec mon corps ? C'est-à-dire que est-ce que je fais du sport ? Est-ce que j'entretiens mon corps ? Voilà, il y a quand même plusieurs paramètres. Toi, il n'y a pas qu'un seul paramètre. Donc toi, dans ces trois paramètres, dans lequel c'est plus fluide et lequel est moins fluide ? C'est par rapport à faire du sport, à bouger mon corps, on va dire. Toi, et tant que c'est, alors je ne sais pas s'il y en a trois ou quatre, mais tant que ces trois-là ne sont pas équilibrés, en fait, déjà, le corps est en désharmonie, en fait, de toute façon. Tu vois, si on aligne les trois ensemble, en général, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose dans le corps, parce que le corps est un instrument extraordinaire et il sait par lui-même se soigner et se guérir, en fait, si on lui donne des bonnes conditions, bien sûr. Après, par rapport à... Après, par rapport à toi et à ton histoire, en fait, je sens vraiment une... Enfin, moi, ce que je ressens chez toi, c'est qu'il y a, il y a tellement une énergie de joie de vivre, en fait. Que c'est ce que je ressens en premier. C'est vrai. Je ressens ça vraiment, c'est très fort, en fait, cette énergie de joie, de bonheur. Ça diffuse, en fait, ça rayonne. Ça rayonne. C'est vrai, hein. Est-ce qu'elle en a conscience, pardon. Oui, j'ai toujours senti ça en moi, mais la vie a fait que je n'ai pas pu exprimer tout ça. Mais c'est là, en fait. Ça demande que ça. Eh oui. Ça demande que ça.
quel est l'inconvénient d'avoir cette pathologie? C'est que ça m'empêche de faire des choses au quotidien. C'est pas mal de faiblesses, on va dire. Et faire du sport, c'est difficile et il faut. Et c'est un petit peu un cercle vicieux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu... j'ai besoin de faire du sport, mais je ne peux pas parce que j'ai mal. Ou le corps ne peut pas. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. C'est ça, ouais. Ouais. C'est-à-dire que... En fait, je sens dans ton système que ça tourne en rond par rapport à ça. Et il y a besoin de trouver une petite quelque chose, une petite ouverture que je puisse peut-être moins souffrir pour pouvoir faire quelque chose. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est vraiment... Je suis prise dans mon système, en fait, dans cette problématique, et je vois rien pour m'en sortir. Voilà. Oui, c'est... Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui pourrait me faire sortir de ce système-là, et je ne sais plus quoi faire et que faire. Ouais. Après tout ce qui concerne des symptômes, des maladies et tout ça, c'est assez particulier. Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on traite. Mais par contre, les trois trucs, c'est ça en fait. Ce que je voulais comprendre, c'est le sens caché derrière tout ça en fait. Hein. Mais là il y a rien qui vient. C'est pour ça que j'écoute, j'entends, mais il y a rien qui vient dans le sens caché. J'entends bien le truc. Ouais. Parce qu'à des fois on a une pathologie parce que ça vient de là, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'express. Enfin voilà. Mais là. Mais ça vient pas. C'est tout. Ça vient pas. Par contre, ce qui est venu, c'est ça. C'est qu'est-ce que je mets dans mon corps, le sport et voilà. Et les émotions. Mais en t'écoutant parler, j'ai eu vraiment une réponse en même temps et tu l'as confirmé en le disant. C'est à moi de couper le cercle vicieux. Quitte à passer par quelque chose qui me force, ça peut être douloureux hein, pour le corps, mais c'est un cap à passer, je pense. C'est ça. En fait, je peux parler en ma cause, c'est-à-dire que j'ai des grosses souffrances, mais parce qu'elle sait que l'alimentation, son corps n'en veut plus, et elle continue. Oui. Au bout d'un moment, il faut que j'arrête, quoi. Toi. Le corps est intelligent. Le corps a dit stop et le mental a dit non, continue à manger, c'est trop bon. et du coup, ça, c'est le corps qui m'oblige à dire stop, tu vois. Et donc, du coup, ça se pose depuis des années, en fait. C'est un long parcours, mais ça se pose, en fait. Et du coup, elle a éliminé beaucoup de choses dans sa vie. Au niveau de la nourriture. Mais ça se fait en douceur, toi, il n'y a pas de violence. Parce que j'ai essayé cette force et ce n'est pas la meilleure des forces. Ce n'est pas la meilleure des solutions. Quand je dis forcer, ce n'est peut-être pas le bon mot. J'ai entendu. C'est vraiment mettre de la douceur et justement ne pas se culpabiliser. Et voilà. Et de toute façon, le corps va te rappeler à l'ordre et c'est lui qui va faire le détonateur, en fait. Oui. C'est au bout d'un moment, quand il y en a marre de souffrir, on prend des décisions. C'est plus possible. D'accord. Et je voulais te demander, est-ce que tu comme la dernière fois, t'arrivais aussi à percevoir le côté flou dans lequel j'étais? Est-ce que tu le sens moins? Là, ce que je sens, c'est... y a toujours... Si je ne mens pas, il y a toujours les danses qui sont présentes. Mais j'essaie de rester là. C'est impressionnant ce truc. J'adore. J'entends les cloches, j'entends tout, mais c'est impressionnant ce truc.
Ah, mais t'es vraiment connu. Tu retournes dans une vie antérieure et c'est la même à chaque fois. Et oui, oui, c'est le même truc. Hein. Le sable, il y a plein de trucs. Bon, bref. du coup, j'essaye de rester là pour ne pas partir là-bas. Oui, dans ce que je ressens, c'est... Il y a beaucoup plus de légèreté, en fait. Alors, je ne me rappelle pas de ce côté flou et tout ça, mais je sens que c'est... comment je pourrais dire, quand je suis chez toi, c'est... Je sens que c'est là, toi, ton mmh. corps est là, tout est là. Ça ne va pas forcément dedans, c'est-à-dire que, un peu comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est pas flou. Ça, c'est pas, mais c'est pas flou. Voilà. Mmh. Oui, en fait, c'est ça. Ça, c'est pas, mais c'est pas flou. C'est drôle. Ouais. Ça ne sait pas. Oui, c'est-à-dire que j'ose pas dire ton prénom si je parle là-bas. je vais te mettre en boîte. Khadija. elle sait pas trop, tu vois. Ouais. Elle sait pas trop. Quand je dis elle sait pas trop, c'est-à-dire qu'elle sait pas où elle doit aller ou ce qu'elle doit faire, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est elle ne sait pas, c'est pas flou. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de destination, mais c'est ouvert. Oui, il y a un mieux, voilà. C'est vrai, depuis la dernière séance. Voilà, alors qu'avant, c'était flou. Il y a quelque chose de plus posé, on va dire. Ah oui, vachement plus posé, et ouais, c'est clair. Bon, mais c'est chouette. J'ai hâte de faire ma séance avec toi alors. Ok, ouais, bah c'est, ça va être génial. Je t'ai envoyé un mail par retour de tu sais du mail qui donnait l'adresse, oui. Zoom, tout ça. Et donc j'ai répondu là-dessus, c'est bon? Oui, je pense, je verrai ça. J'ai pas vu, mais oui. D'accord. Sinon, je te fais un doublon sur Facebook si tu veux. Ok, ouais. D'accord. Pour que tu annules la séance, c'est ça? Pour la décaler et puis... D'accord, je regarderai ça demain. Ça marche. D'accord, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite de très, très belles fêtes. Ainsi oui, moi aussi. Tout le monde. Oui, à toutes très les belles fêtes. Sur le chat. Ouais, prends soin de toi et très merci. Bonne fête. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Khadija. Donc, je vais faire entrer Valérie. Coucou Elvira. Coucou Sylvie. Non, ce n'est pas diffusé sur YouTube parce que j'ai recréé une chaîne YouTube et je n'ai pas envie qu'on me la resucre. Donc, je vais attendre un petit peu que ça se calme, tout ce truc-là, et après, je referai en direct sur YouTube. Mais là, pour l'instant, je reste sur Facebook, ça va bien. Parce que là, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour sur ma chaîne YouTube. Vous la trouverez facilement. Hein. C'est à mon nom, mon prénom, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je vais la laisser tranquille au chaud. Et je mettrai des vidéos, mais pas de direct pour l'instant. Voilà. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de... Et Sébastien aussi, il n'y a plus de chaîne YouTube. Donc, comme ça, c'est parfait. donc, voilà. Ça reviendra, mais pas tout de suite sur YouTube. Voilà, donc là, je vais faire... Ouais, c'est ça. Mais bon, après, on s'adapte. je vais faire entrer Valérie. Coucou, Véronique. Coucou, Valérie. Je coupe la caméra maintenant que tu m'as vue. Je suis ici, je suis par là. Bon, je coupe. Ça marche, vas-y, je t'en prie. Comment ça va? J'ai beaucoup de mal à te trouver. J'ai fouillé partout. C'est vrai? Bah ouais, mais bon, j'ai trouvé. Je suis allée sur YouTube. Facebook, ça y est. Bah ouais, mais je ne savais pas si c'était Véronique ou si c'était le chaudron magique. Je ne savais plus. Ouais, c'est ça. Parce que je t'avais entendu dire une fois que ça serait que dans ton nom. Donc, du coup, j'avais... Oui. Ma chaîne, tout c'est sous mon nom maintenant. Ouais. Ça va être plus simple. D'accord. Par contre, je te demanderais si tu peux m'envoyer en privé où on peut prendre les rendez-vous et tout, parce que je ne trouve pas non plus.
Ok, d'accord. D'accord. Comme ça, voilà. Sur mon site, normalement, ça y est. Mais bon, après, oui, ok. Mais oui, mais j'arrivais pas à trouver ton site, même sur Google. Ouais, bah, je l'ai fait. Bon, j'ai bugué aussi mon site, donc. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, écoute. Mais c'est remis. Tout est remis. Okay. Ça marche. Ça marche. Alors, comment ça va, Valérie? Bah, écoute, ça va un peu mieux. Bon, quand je dis ça va un peu mieux, c'est très général, hein, c'est pas. Et voilà, je m'y retrouve dans beaucoup de personnes dans qui sont passées. Muriel, entre autres. Qu'est-ce qui m'est revenu avec Muriel? Cette sécurité dans l'insécurité. Ouais, et tout de suite, ça m'est venu parce que, par exemple, j'ai mon ami ce soir qui écoutait de la musique et il me dit, bah, moi, je vais écouter de la musique. Et bon, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Et à la fois, il écoute souvent de la musique dès qu'il a bu 2-3 bières, quoi. Et là, paf, je commence à tomber dans l'insécurité. Et du coup, ça m'a renvoyé à mon père. Et là, ça touche. Et tu vois, je ne m'y attendais pas que j'allais pleurer, là. C'est OK. En fait, Valérie s'est fait surprendre. Oui. Avant, je pensais contrôler tout ça et je me rendais compte, enfin, j'essayais de voir un peu ce qui se passait dans l'enfance par rapport à ça. C'était que tant que mon père ne bougeait pas, j'étais rassurée, quoi. Enfin, rassurée, ça veut dire quand il était à la maison, qu'il était là, il ne bougeait plus. Donc, il y avait comme... faut rester tranquille là, quoi, avec ça. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien, mais... il y avait une grande insécurité, quoi. Et du coup, j'ai l'impression de retomber là-dedans, quoi. Et du coup... Je bouge plus quand c'est comme ça. Je me suis installée là à écouter, je me suis mise dans mon lit. Et pourtant, il n'y a pas de problème là, tu vois, il n'y a pas. Mais au fond de moi, il y a cette insécurité qui est toujours là, quoi. Que fait Valérie pour accueillir cette insécurité? Ben, elle se couche dans son lit. Elle attend, quoi. Alors ça, c'est une fuite, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est pas grand-chose, en fin de compte. Comment ? Ça fait pas grand-chose pour accueillir la sécurité. Ouais, c'est une fuite, ouais. Ouais, parce qu'en fait, accueillir l'insécurité, c'est d'aller voir qu'est-ce qui me fait peur, en fait. Ouais, ben ça, je suis pas très courageuse pour aller voir ça. Et là, du coup, le fait de me coucher, ça veut dire je ferme les volets, les paupières, et hop, j'oublie, et hop, tu vois. C'est ça. Ouais, comme pour plus rien entendre, plus rien sentir, plus rien. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai mis en place. Je me coupe de tout. Ouais. Je me coupe de tout, en fait, pour ne pas ressentir. C'est vraiment ça qui ressentit. Ouais. Ouais, il y a comme je préférais m'endormir, quoi, que c'est quelque chose qui se passe pour pas que j'aie à être. Si éventuellement, en fait, ouais, c'est ça. Alors que je vois qu'il pourrait y avoir un autre espace, mais j'ai beaucoup de mal à aller le toucher, quoi. Parce que je suis pas du tout dans les mêmes conditions que dans le passé, quand même. Quoique. C'est quel autre espace? Un espace que je perçois pas, mais qui est là quand même, donc qui est peut-être perçu quand même, qui peut être tranquille, calme, il n'y a pas de danger. En fait, c'est Valérie a besoin de se reconnecter à son cœur, en fait, à partir de là. Ouais.
dès l'instant qu'elle part dans ses ressentis ou dans ses histoires, enfin, il y a vraiment besoin de partir du cœur. Oui. Quand je me sens en insécurité, je me ressente et je vais voir dans mon cœur ce qui se passe vraiment. Et là, oui. J'accueille ce qui est là, sans chercher quoi que ce soit entre deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je vois que c'était compliqué pour moi, ça, de faire tout ça. Ça, c'est compliqué pour Valérie, parce que Valérie a besoin de poser une histoire pour comprendre. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, elle n'est pas bien, ça l'a ramenée à son papa. Ça me ramène okay. toujours à quelque chose, quoi. C'est, ouais, bah c'est OK, il n'y a pas de souci que ça ramène à quelque chose, tu vois. Mais c'est juste, qu'est-ce que tu en fais? En fait, ça me ramène à quelque chose, je me sens sur mon cœur, de mon ressenti, et qu'est-ce que ça me dit. Voilà, et j'accueille. Je n'ai pas à faire plus, en fait. Tu vois, Valérie, il n'y a pas à faire plus. Et c'est le plus. C'est que, et à un moment donné, je ne pouvais pas y aller là-dedans, je n'y accédais pas, quoi. Mm-hmm. Peut-être que maintenant, c'est un peu plus calme et que je peux y aller, quoi. Mm. Ouais. Il n'y a vraiment pas besoin de plus, en fait, ma belle. Il y a vraiment, qu'est-ce que ça me touche, quoi ? Tac, je vais dans mon cœur, je ressens, paf, voilà. Ouais, et pas besoin de l'histoire, je sais pas. Quelquefois, je ne prends pas la bonne direction, je trouve. C'est plutôt pas. C'est pas la bonne direction, c'est la bonne attitude. Oui, la bonne attitude, ouais. Je vais plutôt faire du. Tu vois, j'ai plutôt aller le voir, rester à côté, dans la même pièce et chercher un peu la petite bête, tu vois, indirectement, mais la chercher quand même, quoi. Et après, je me dis que c'est lui qui a le problème. Mais ça, je le voyais vraiment pas, ou je voulais pas le voir, quoi. Et comme j'aime pas me trouver face à moi-même, face à ça, donc c'est compliqué à ce moment-là, quoi. Il y a une forme de panique qui arrive, quoi. Ouais, j'entends. Mais vraiment, il faut rester dans la simplicité, en fait, ma belle. Moyen d'intervenant, c'est ça, en fait. Moyen d'intervenant, plus c'est simple. Ah ben, il y en a de moins en moins, maintenant. Et plus c'est efficace. C'est-à-dire que je sens quelque chose, je me ressens sur mon cœur, je vais directement là. Je ne passe pas par-ci, par-mi, par machin, et peut-être que là, je vais ressentir, tu vois. Ou je me fais choper par l'émotionnel en discutant, tu vois. Ouais, je me fais avoir par le mental aussi. Hein. Et c'est tellement habituel que limite, j'ai plus cru le mental que ce que je ressentais, quoi, tu vois. Commencer dans ton corps là. C'est un peu serré dans le ventre. J'ai le bas des jambes qui est un peu coincé, quoi. Je suis figée quand même. Je suis quand même assez figée, quoi. Comme si, enfin, j'aime pas les comme si, parce que les comme si, c'est que des impressions, mais comme si ne pas bouger, c'était ressentir. Ça me permettait de ressentir le corps. Et ce qui se passe, quoi. À partir de là, quand j'écoute quelqu'un, quand je t'écoute ou quand j'écoute, ouais, je sens que je suis en apnée, quoi, je bloque. J'oublie de respirer, j'oublie de vivre. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Je peux pas faire les deux, quoi. C'est ça. Je capte tous les mots, donc j'arrête de respirer. Et après, un espace pour respirer, et voilà. Ouais. Comme si le fait de tout entendre, ça me permettait de mettre un schéma d'une histoire ou. Ouais, je vois que c'est le système que j'ai mis en place quand j'étais enfant, ça. C'est que tout ce que j'entendais comme ça, je le captais comme un. Et ça me faisait une réalité, quoi. Enfin, je te dis ça. Et alors que ça n'a rien à voir. Oui. Mais je commence seulement. À le percevoir un peu, et c'est très perturbant.
Là, à partir de là, là, à partir de maintenant, Valérie, c'est quoi la problématique que tu aimerais voir? J'aimerais pouvoir être tranquille dans mon lit, ou enfin je dis dans mon lit parce que j'y suis, hein, ça peut être ailleurs aussi. Simplement être tranquille là et être présente à qui je suis. Qu'est-ce qui empêche ça? Je ne sais pas. C'est comme si je n'avais pas le droit, en fait. Ouais, exactement. C'est comme si j'étais toujours sous tension et que je n'avais pas le droit. Ouais. C'est comme si je m'interdisais, en fait, de vivre simplement. Ouais. C'est comme si je m'étais mise des règles et des lois, bah, que ce n'était pas bien et que je devais, je ne sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des trucs complètement bateaux, mais Valérie y croit vraiment. C'est exactement ça, ouais. Et c'est même, c'est à peine vu en plus. C'est presque. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est. En fait, Valérie s'est mis des chaînes toute seule. Ouais. Ouais. Mais dans ces chaînes, il y a. Oh, c'est pas content là. J'ai pas le droit de vivre en fait. J'ai pas le droit de prendre du plaisir, tu vois. C'est pas content, bah c'est chouette. Alors c'est que ça bouge. Ouais ouais ouais, c'est pas content. Et c'est moi qui me suis mis mes propres chaînes, punaise. Et... Mm. Ah. Ouais, c'est pas content. Mais là, ouais. Mais là, avec la conscience qu'elle a, en fait, elle peut se rendre compte que elle est sur son lit, elle est sur son lit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toucher cette part. C'est juste quelque chose qui à l'intérieur de toi te dit c'est pas possible, t'as pas le droit, ça se fait pas. Enfin, c'est même pas ça se fait pas. Ouais. C'est même pas ça se fait pas. Hein. C'est je sais pas trop quoi en fait. Tu vois? Ouais, même moi j'ai du mal à le. Oui, mais c'est pas ça se fait pas, c'est j'ai pas le choix. ça serait bien ça. Hein, ça te parle ça, j'ai pas le choix. J'ai pas... Et c'est vécu comme ça en plus, j'ai pas le choix. Oui, mais oui, 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 c'est ça. Parce que j'ai tout qui me le prouve en plus, tu vois. Les bah, yeux oui. Qui. Tout est. Et puis, c'est le verbe tellement... est créateur. Donc, C'est tellement connu comme ça, je veux dire, hein, vécu comme ça depuis longtemps. Que je commence à redécouvrir mon visage, tout. Mais toi, il y a besoin de te mettre sur ton lit, de mettre de la musique, de rester connecté à la musique, de voilà. Il y a des choses à faire qui puissent. Mais ça, je le fais. Hein. Ben voilà. Ben, fais le plus possible, tu vois. Ouais, ouais, ça, c'est pas. Il y a quelque chose qui coince quand même, il y a un truc qui te rire. Parce que je suis contente de t'entendre. Je rigole pas, je suis contente de t'entendre. C'est bientôt Noël. Il va y avoir le papa Noël. Je vois que tu es très pressée, toi. Mais je suis contente, moi. Bah, c'est marrant, mais avant j'étais comme ça et tout s'est cassé la gueule. J'ai je t'assure, j'ai plus ces envies, il n'y a plus. Moi j'ai envie de découvrir des cadeaux. Oh, mais moi j'en aurais pas donc. j'en aurais pas, je sais pas. Mais si, passe-partout le Papa Noël. Tu dois bien chercher. Regarde bien partout. J'ai regardé dans ma boîte aux lettres. Voilà. J'en suis sûre qu'il t'amènera une facture. C'est pas les mêmes cadeaux, c'est tout. Non, c'est d'autres cadeaux, ouais. Oh, je te jure. Ah là là, je te jure. Non, mais je fais plus rien. Enfin, je fais plus rien.
Je ne fais plus de travail de Byron Katie, plus rien du tout. J'ai bien. Tout arrêté. C'est très bien. C'est très bien, Valérie. Il y a une autre Valérie qui me met « Tu te fais un cadeau, Valérie. » Et oui, tu te fais un cadeau. Oui, je me fais un cadeau. Alors, j'ai eu, la petite voix me disait « Tu parles d'un cadeau, toi. » Et là, j'ai fait « Bon, c'est là. » Je t'assure, des fois, j'ai des discussions internes où ça finit par s'engueuler. C'est, de la... c'est le bordel. Ben ouais, parce que quand on a une qui dit « Ouais, tu parles d'un cadeau », il dit « Si, si, c'est un cadeau. Alors arrête d'être méchant, tu vas être gentil avec la dame. Excellent. » Dans ces cas-là, je préfère que tu sois là parce que toute seule… Ah. Oh, mais quel bazar. Dans la boîte aux lettres, c'est une demande de cadeau, pas un cadeau. EDF, box, loyer, etc. Oh. Oh, qu'est-ce que tu veux? Faut mieux en rire. Par contre, c'est très bien, Valérie, que tu aies tout arrêté. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai cru que j'avais tout arrêté. Enfin, j'ai cru. J'ai tout arrêté, mais comme si je ne voulais plus rien entendre, plus rien. Ouais. Rien. Je veux plus rien. Et du coup, j'ai eu peur parce que je me dis, je fuis. Non, pas du tout. Justement, d'accord. Tu vas dans la réalité. Ouais, c'est ça. C'est génial. En fait, tu t'es fait un grand cadeau. Ouais, même ce soir, il y a une nana qui m'a demandé pour la facilité sur un truc, une colère qu'elle avait. Et sur le coup, j'ai dit, est-ce des merdes? Eh ben, elle va se démerder avec sa colère. Après, j'étais là, oh non, quand même pas. Moi, quand j'étais dans la merde, j'étais bien contente de la trouver. Enfin, tu vois, c'était infernal dans ma tête. Je me suis posée et je me suis dit, bon, je fais quoi? Je lui dis oui, je lui dis non. Bon, j'ai dit oui. Et après, j'étais là, ouais, mais je ne sais pas dire non. Et du coup, bon, bah, j'ai dit oui. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai arrêté tout. Et elle me dit, bah, si tu veux, on ne le fait pas. Je lui ai dit non, de toute façon, moi, j'ai juste 4 questions à te poser. C'est tout, je m'en tiens à ça. Tu fais ton travail de ton côté. Moi, je te pose juste 4 questions. Et en fin de compte, c'est super bien passé. Quoi. Comme ça, c'était. Je me suis moins pris la tête, c'était plus posé, plus clair. Il y a Valérie qui dit. Encore Valérie. Oui, il y a une deuxième Valérie. Ça ne m'étonne pas. Elle met avoir ton échange avec Véronique est un cadeau. C'est gentil. Merci Valérie. Et Evelyne, elle demande, il y a combien de personnes dans Valérie? Il y a un bus complet. Il y a du monde. Il y a un bus. Ouais, il faut et pas ça, un minibus, hein, un grand. Hein. Ah oui, il faut un bus, ouais. Un grand bus. Ouais. Oh, mais on l'aime, notre Valérie. Mais il faut ça, sinon une toute seule, elle va s'ennuyer. Ouais. Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cadeau. Parce que vous vous rendez compte, un bus, ça contient combien de places? Au moins 40 places. Et pourtant, Evelyne, quand je t'ai écoutée, je me suis beaucoup retrouvée aussi. Ouais. Oui. Et j'ai entendu le message que Véronique a dit à Evelyne et qui, m'a parlé beaucoup. C'est chouette. Ouais, ben, ce que j'ai entendu pour moi, c'est que je ne rentre pas dans le jeu. Enfin, donc je m'entends, même si j'entends complètement la souffrance, hein, mais que plus on y rentre dedans, plus c'est entretenu et plus, plus la victime en moi peut réagir et a besoin de ça parce qu'elle ne se connaît que comme ça. Oui. Donc, c'est ça. Même si c'est dur à entendre parfois, mais quand c'est entendu, c'est un cadeau, quoi. Oui, c'est ça. Quoi.
C'est tout à fait ça. Evelyne est dans cette démarche. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup entendu Evelyne et je me suis beaucoup retrouvée aussi. Oui, bah elle aussi, elle met toi. Moi aussi, je me trouve chez toi aussi. Mm. Ah ouais. Bienvenue dans le bus. Plus on est de fous, plus on rit. Oh, excellent. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire, tiens. Oui, oh, écoute. Oh. Bah, je suis contente que tu sois venue, Valérie. Franchement. Ouais, bah, je suis contente d'être là. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher en essence avec ton bus. Non, non, ça va. J'ai juste à cliquer. Ça va, ça ne coûte pas trop cher, quoi. Oh, je te jure. Juste un forfait internet et c'est tout. Bon, tu as de la neige, Véronique, dans ton... Il y a beaucoup de neige, oui. Ah ouais. Beaucoup de neige, du soleil, mais par contre, il fait très, très froid. Ouais. Ah ouais. Très froid. Non, ici aussi, il fait froid, mais il n'y a pas de neige. Nous, il y a de la neige, oui. Bon, après, ça ne reneige pas, donc du coup, ça va finir par fondre. Je ne sors toujours pas de chez moi pour l'instant. Hein. Je ne suis pas encore... j'ai pas eu ce... Non, parce que j'ai encore eu des grands vertiges qui arrivaient d'un coup comme ça. Et waouh, c'est tellement... Mais c'est bien, c'est un grand cadeau, ma belle. Je reviens sur le fait que tu aies arrêté toute activité externe à toi. Ouais. Activité mentale. Et j'ai fait un pas des progrès. Je ne sais pas si c'est des progrès, mais comme je vois un psy, par rapport à mon boulot, je voyais un psychiatre. Et j'ai dit l'autre fois, vous n'avez pas un médoc pour arrêter les pensées. Il me dit, oh si, je dois bien voir ça. Et donc, il m'en avait déjà proposé un mois de mars que je n'avais jamais pris parce que je ne voulais pas. Mm-hmm. Et j'avais vraiment l'angoisse de prendre ces médicaments. Je me suis dit, dans quel état je me retrouvais avec ça. Et là, moi, j'étais tellement pas bien qu'il m'en a... Il m'a redonné le même, il m'a dit bah, « je vous avais donné tel médoc ». Et là, j'ai eu le courage de le prendre. Mmh. Et c'était une première chez moi, quoi. Et alors, t'as encore dépensé ? Oui, ça n'a pas changé. Ça. Non, mais c'est plus calme. Ouais, ça te fait du bien, c'est ouais, ça ? Et je pensais pas du tout. Et du coup, ça m'a fait un beau pied de nez parce que du coup… moi qui avais des préjugés sur les médocs, ça peut aider à passer des moments en attendant. Oui, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je ne regrette pas parce que, bon, il m'avait donné un truc, je ne prends que la moitié, mais j'ai quand même pas pris la dose entière, je n'en sais jamais. Donc, j'en ai pris que la moitié. Et puis voilà, un petit peu de passiflore avec. Ah, c'est plus doux. Et je dors 12 heures par nuit. Oh punaise, 12 heures, c'est vrai? Non, mais je peux dormir 12 heures, oui. Ah non, mais je me réveille une fois ou deux dans la nuit, mais... Ouais. Ah ben quand même. Oui, quand même, oui. Mais ouais, en plus c'est dimanche, je me suis couché à... À 11h, minuit, je me levais à 11h30, quoi. Non, non, c'est vrai. Ouais, le sommeil est un peu, c'est plus calme quand même. Ça commence à se poser au repos, je dirais. Et ça, ça commence à être appréciable de pouvoir être dans le calme, au silence et de pouvoir être avec soi-même, quoi. Tu m'étonnes. Merci de nous pâter, tes magnifiques montagnes. Ouais, il y a Valérie qui a mis de tes balades. Ah oui. Elle est partout, Valérie. Bah oui, on a arrêté de canaliser depuis longtemps, là. Mais, oui, je pense quand même, oui. Ou alors. Oui, c'est très cool ici. Alors, il y a même Evelyne, regarde. Moi qui canalise, là, c'est plus toi. Il y a Valérie, Evelyne qui met « ça fait du bien de souffler ». Mais oui, ça fait du bien.
Il y a Elvira qui met c'est plus du repos 12 heures de dodo, c'est une cure pour la vie éternelle. C'est ça. Bah, hey, en attendant, quand je dors, je peux... j'ai pas de problème. Ah, excellente Elvira. Oh, j'adore vos commentaires. Faites-moi rire, ça fait du bien. Oh, je te jure. Tu vois, t'as bien fait de venir, Valérie. Ouais, puis j'étais contente d'entendre Khadija. Khadija. Parce que j'avais une collègue qui s'appelait Khadija. Enfin, on l'appelait Khadija. Ça dépend comment ça s'écrit. J'adore Khadija. J'adore ce prénom en plus. Ouais. Je trouve ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends son prénom, je pars ailleurs. Alors je me méfie parce que là, je suis en direct quand même. Non, mais laisse-toi aller. Hein. Tu gères ? Fais-nous la danse du ventre. Dans quelle étagère ? Oh, quel bazar. Oh, bon, eh bien, je ne vais pas. Oui, bah après, je vais arrêter de toute façon. Je ne vais pas faire l'animation toute la soirée. Non, mais après, je vais arrêter parce qu'il y a, Aurélie, mais écrit en deux mots, mais je n'ai pas vu la caméra. Donc, du coup, je ne vais pas rentrer. Il vaut mieux éviter en ce moment les... Voilà, c'est ça. Okay. Et après, il y a Marie. Quelle heure il est ? Ah, Marie, elle a mis ses caméras ici, Marie. Moi, j'ai Marie. Je laisse la place à Marie, ouais. Ouais. Allez. Et puis là, je ne prendrai pas parce que... Bah, merci à tout le monde. On a moi, j'ai passé un petit moment, ça change. Sympathique. Ouais, on s'est bien éclaté. Mmh. On a fait l'animation. Ouais. Mais ça fait du bien aussi. Pas se prendre sérieux dans la vie. Oui, parce que j'ai un côté qui est très souffrant, qui est souffrant. Mmh. Et à la fois, enfin, qui est souffrant, qui est paumé surtout. Mais. Mais le côté drôle, j'étais déjà comme ça quand j'étais gamine, quoi. Je me suis fait virer d'un cours d'allemand. Le prof, on avait des petites images et c'était Was machen Sie. En allemand, ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait. Moi, c'était une image avec une gamine qui avait une casserole et elle tournait. Et je réponds, Sie tourne la soupe. Et il m'a dit, Fleury, dehors, vous allez chez le directeur. Merde. Bon, il n'avait pas d'humour, hein, franchement. Il devrait venir au chaudron magique, lui, il faudrait que je le rappelle. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Oh, écoute, je t'embrasse, ouais. Valérie, à très bientôt. C'est bon pour le plexus. À bientôt, passe de bonnes fêtes. Je crois que les médicaments, en fin de compte, ils sont très efficaces. T'en as pris deux ce soir ? Non, mais je m'en rends compte, là, je vais peut-être me réécouter, je vais peut-être diminuer la dose. Bon, allez, Valérie, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes. Oui, c'est vrai. Je te jure. Et pourtant, quand il y a eu Muriel, je pleurais. Ça pleurait. Bah oui, mais... Bon, allez. Le cachet a dû faire effet, là, Valérie. Oui, mais j'avais pris avant. Bon, allez, plein de bisous et bonne fête, bon, Valérie. Bisous, ouais. Et plein de cadeaux. Oui. Je te dis à bientôt. ah oui, lundi prochain, il n'y aura pas de chaudron parce que je fais un atelier pour... Je fais un autre atelier, en fait, on m'a demandé. Voilà. Donc, il n'y aura pas de chaudron, ça sera la semaine d'après. Voilà, ouais, Valérie. C'est malin. Mais je vais vous faire une surprise la semaine. Eh bien, ok. Bon, voilà. De toute façon, à bientôt. À bientôt, Valérie. Prends soin de toi. Continue tes médocs. Je te donnerai la recette. Je te les donnerai si tu veux. Oh, ça fait du bien, écoute. Je te fais des gros bisous. Et puis à bientôt.
Hop. Alors, oui, j'ai dit Marie. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Comment ça va? Ben, ça va, ça va. C'est la première fois que je passe. C'est chouette. Ouais. Ah, c'est génial. Alors, bienvenue au Chaudron Magique. Merci. Alors, quelle est la problématique de Marie ou qu'est-ce que, voilà, n'importe, ce qui est présent chez elle ou voilà, s'il n'y a pas de contenu spécial en fait, dans cet endroit-là. Ouais, Marie, elle a des problèmes de confiance en elle. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel déjà. Ouais. Alors là, on bascule de chez soi. Marie, elle nous emmène à l'opposé, donc sortez vos mouchoirs parce que là... Voilà, c'est ça. C'est ça, pour finir la soirée, c'est génial. On va finir en beauté, comme on aime. C'est OK. Non, mais elle sent vraiment qu'il y a beaucoup d'émotionnel là derrière tout ça. Blague à part. D'accord. Alors, Marie voudrait savoir pourquoi... pourquoi elle n'a pas confiance en elle, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle et... Pourquoi elle n'arrive pas à, ouais, à affirmer des objectifs, à affirmer quelque chose d'elle. Il y a... Alors, on va aller voir comment ça sort. Commencer chez toi. En fait, ce qui est ressenti, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà, il y a déjà beaucoup d'émotions. En plus, c'est la première fois que tu passes. Tu es déjà passée avec Véronique déjà ou pas du tout? Non, je suis passée avec Sébastien. Ok. Alors. Est-ce que tu peux me reposer la question si j'ai besoin d'entendre ta voix? Pourquoi Marie manque de confiance en elle? Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse. Mais la question, c'est est-ce que Marie vit sa tristesse et est-ce qu'elle vit son émotion? Bah, elle ne sait pas trop comment faire, parce que elle sort à certains moments, comme maintenant. Alors attends, on va déjà accueillir ce qui est là, ma belle, d'accord? On va y aller tranquille, parce que c'est déjà là, c'est ce qui est ressenti. Donc c'est pour ça qu'on ne me donne pas trop d'infos pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, si tu veux, par là. Ouais. Ce n'est pas parce que Marie n'est pas à sa place, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses à accueillir avant, d'avoir des informations. Parce que l'émotionnel est bien chargé chez Marie. Il y a besoin de libérer un peu, en fait. C'est à fleur de peau et du coup, c'est pas très confort pour Marie. Oui. Ok. Là, il y a plusieurs petites choses qui sont arrivées. Je t'ai vue petite. C'est quoi Ah, ça passe assez vite. Il faut que je retienne tout. Ça va peut-être nous revenir. Oui, alors, je t'ai vue petite, il y a une notion d'école et je ne sais plus, il y avait un autre truc, mais je sais pas, ça va revenir. Alors, je vais te poser des questions, ça va me guider parce que là, on ne propose rien et du coup, ça veut dire que c'est hypersensible, d'accord? Ouais. Pourquoi Marie est venue jusqu'ici? Marie, elle veut être en paix, elle veut se libérer en fait, elle veut faire le vide et elle veut vivre surtout. Oui, ça pleure. Ouais. Ouais. Oh, ouais, y a beaucoup de... Ça commence à impacter Véro. On va laisser monter. Voilà, laisse monter tranquille. Prends tout le temps. Voilà, ça y est, ça passe. Waouh!
Marie peut s'allonger si elle peut. Ce sera plus facile pour le corps, en fait. Ouais, je ne peux pas trop, en fait. Ah, voilà. Ouais, mais c'est okay. C'est la première fois, on va y aller cool. Okay. Je ne vais pas trop aller dans les... En fait, elle n'aura peut-être pas forcément une réponse ce soir, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que ça puisse alléger un peu cet émotionnel qui est bloqué. Ouais. Bon là ça a bien déjà touché là, hein. Ça m'a traversé, moi ça a déjà pas mal commencé là dans ton corps, ma belle. Bah c'est la gorge un peu qui est serrée, mais ça va mieux quand même. Ok. Puis ça tremble aussi. Ok. Oui, il y a des grosses émotions qui arrivent. Puis, alors, dans la gorge, c'est assez tendu. C'est très tendu, tu vois. C'est très contrôlant. C'est très tendu là, c'est parce que je contrôle, tu vois. En fait, Marie contrôle cet émotionnel, quoi. Il y a comme un petit oiseau, toi. En fait, Marie a. Comment je vais expliquer ça ? A du mal à montrer tout ça, en fait. Hein, c'est ça. Marie ne montre pas forcément ça dans la société. Et là, c'est comme si je prenais un petit oiseau et toi, ce petit oiseau est tellement fragile que je ne peux pas serrer les mains, tu vois. C'est, faut que je laisse mes mains ouvertes parce que c'est trop fort pour Marie de recevoir... Ah ouais, prends ton temps. Ok. C'est tellement blessé à l'intérieur... Envoyez tout votre amour à Marie parce que franchement, douceur à Marie, tu es chez toi, ma belle, ici, tu es dans ta maison. Voilà, tu as trouvé le chemin. Toi, ce petit oiseau a trouvé le chemin. Et on va en prendre soin. Nous allons en prendre soin. Le groupe va en prendre soin de ce petit oiseau. On ne va pas refermer la cage. On va la laisser ouverte. Pour qu'elle puisse se sentir libre. Oh, mon Dieu. Ça va passer là, ça va se détendre, ça va passer, ça va se calmer, tu vas le sentir. Ouais. Voilà, ça se calme. Ouais. Voilà. Voilà, tranquille. J'ai plein de picotements au-dessus des lèvres. Ouais, mais là ça suffit là, là je vais pas aller plus loin ma belle, mais on va rester ensemble un petit moment. Okay. Voilà, le temps d'accueillir tranquillement, prends ton temps, déploie tes ailes, pose-toi dans ce nid, cette maison, et voilà, on va accueillir ce qui vient, je vais rester avec toi pour voir comment ça se pose dans ton corps, d'accord ? Ouais. Voilà, on va rester un moment ensemble, voilà. On va laisser poser ma belle. Il y a eu un gros morceau, tu sais. C'est un gros morceau qui est parti.
Voilà. En tout temps. Tu es chez toi ici. Tu es dans ta maison. C'est ton endroit à toi. Ce moment est pour toi. Ce moment est pour Marie. Que pour Marie. Elle a le droit de prendre le temps qu'elle veut. Le temps lui sera accordé parce que c'est son espace. Et dans cet espace, elle peut exprimer ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie. Ne rien exprimer, juste être elle. Gratitude. Oh, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir ouvert la caméra, merci. Parce que ça aurait été dommage que je ne puisse pas te faire passer, en fait. Oui, j'ai senti que c'était ce soir. C'est ça. Ouais. Oh, merci. Merci. C'est chouette, ma belle. C'est extraordinaire. Ça demande un courage extraordinaire, tu sais. C'est un grand courage. Et en plus en direct, vraiment. Vraiment. Bonsoir Aurélie. Toi, il y a plein de personnes qui te mettent des cœurs, des... plein de douceur, voilà. Toi, des petits mots doux, des petits mots gentils. T'envoies plein d'amour. Oh, j'en ai besoin. Ouais. C'est vraiment gentil. Oui. Et puis, t'as dit un mot, t'as dit c'est ton espace. Et en ce moment, enfin, c'est vraiment mon thème, trouver mon espace. Tu l'as trouvé, ma belle. Le chaudron magique est un endroit vraiment où on a de l'espace. C'est un endroit où on peut se poser, où on a le temps. On n'est pas obligé de rentrer ni dans les structures, ni dans l'émotionnel. On peut être simplement présent, tu vois. Et ça, c'est tout l'or du monde. Ça s'apaise. Ça s'apaise et en même temps, il y a tellement de tristesse. Mais c'est OK. Ouais, j'ai peur de prendre tout ce temps, en fait. T'as peur de quoi, ma grande ? De prendre de l'espace. Non, il est pour toi. Non. Ben justement, vois-le. Et aujourd'hui, autorise-toi. Parce que si tu écoutes ton cœur, tu peux bien voir que cet espace est vraiment créé pour toi. Parce qu'il n'y a que toi. Merci en tout cas. Franchement. Toi, je sens que ça se réchauffe. Tu sens dans ton corps? Ouais. Ça se réchauffe, c'est douillet. Ouais, ça bouge, ça. C'est normal. Je me sens enveloppée. Enfin. C'est ça. Il y a quelque chose qui vit, qui reprend de la vie, quoi. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce côté enveloppant. Ouais.
Il y a Valérie qui met « Vraiment, tu as franchi le pas. Moi, j'ai commencé d'ouvrir la caméra, puis j'ai éteint. » Plein d'amour à tout le groupe. Et merci, Véronique, gratitude. Love, Marie. Oh. Je l'aime bien celui-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est Elvira, Camille, love, Margot. Je te demande oh, pas. Il me fait un truc. Il me fait un truc, genre il me fait rigoler. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Ça, c'est l'émotionnel, ma belle. Okay. Parce que tu n'as pas pu lâcher en pleurs, tu le lâches. Voilà. Toi, tu as des cœurs, tu as plein de choses. Voilà, toi. C'est OK. Voilà. Je vais te le remettre, Love Marie. Vous avez entendu le groupe. Elle a envie du love, 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 love. Non, mais c'est l'association des deux, j'aime bien. C'est juste beau, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très beau. Et puis c'est Elvira qui l'a mis, je pense que ça vient vraiment du cœur. Tout. Ouais. Parce qu'Elvira est une hypersensible et une empathe, il me semble que d'accord. C'est elle, que je ne me trompe pas. Regarde, il y en a une nouvelle. Hop, Valérie. Il y a Evelyne. Love, 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 love. Evelyne, tu n'as pas mis Marie. Ah oui, là, il y a une erreur. Je te jure. Voilà, ah, c'est chouette. Voilà. C'est mieux dans ton corps, c'est comment au niveau des fourmillements et tout ça. Bah, je ressens plein de trucs, alors ça fait du bien de me laisser l'espace pour accueillir ça. Il n'y a plus trop de fourmillements. Je me sens rincée. Ouais. C'est normal. Enfin, s'il y a des tremblements un peu dans les jambes, dans les pieds. C'est chouette. Ah, je suis contente. Merci, Marie. Merci. Merci. Là, je sens que je commence à paniquer un peu, à prendre tout ce temps. Donc, c'est bien, on continue alors. Si tu veux, on peut même faire rentrer Valérie. Elle est cool, Valérie. Elle a pris son petit cachet et tout. Ah, Valérie, elle m'a empêchée d'aller aux toilettes. Hein. Tu vois, Valérie, hein. Je me disais que j'allais passer d'un instant à l'autre. Donc, je ne suis pas allée aux toilettes, mais ça n'en finissait plus, en fait. J'aurais eu le temps d'y aller. C'était pas grave, parce que j'aurais attendu, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'il me semblait que tu avais mis la caméra pendant un temps. Oui, je l'ai mis. Je ne savais pas quand la mettre, quand pas la mettre. Enfin, voilà. Ouais, voilà, parce que je demande à ce qu'on la mette à cause de tout le truc, mais après... Ouais, ouais, j'ai bien compris. Je fais confiance quand même, mais bon, après, on se méfie quand même. Ouais. C'est chouette, non? On n'est pas bien, là? Franchement, ouais. C'est chouette, hein? Valérie, elle s'épilule le bonheur. Valérie, elle ne chatte pas, elle dort ou quoi? Tu ne chattes pas, Valérie? Comment ça se fait? Elle en a pris trop. Ah, t'en as pris trop, Valérie? Pourquoi tu ne chattes pas? Elle ne peut peut-être pas te chatter. Parce que même en chat privé, il n'y a rien. Ah, je suis vraiment contente. Comme, oui, donc tu te sens mieux, voilà. Ouais. Bah, pour une première fois, c'est chouette. Hein. Ouais. Merci, merci. Ça a décompressé la boîte, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, ça a décompressé la boîte. Ah, un chat privé, c'est peut-être Valérie.
Ah oui, Valérie, elle t'a mis. Je ne sais pas pourquoi elle est en privé, Valérie. T'es en privé, Valérie, toi. Toi, c'est important, en fait, Marie, c'est pour ça. Hein. Ce n'est pas parce que je veux te garder avec moi et je veux te faire passer des peurs ou quoi que ce soit. C'est juste que, étant donné que tu as lâché un gros morceau, bah, y a besoin d'être soutenu. Et puis voilà, je n'ai pas lâché mon gros morceau et puis je m'en vais, quoi, toi. Ça, ouais. c'est un suivi derrière, c'est important. Tu sais, je travaille avec l'émotionnel, je sais très bien ce que c'est l'émotionnel et je sais qu'il y a besoin d'un soutien quand même quand il y a eu des choses comme ça. Donc là, okay. Bah, c'est juste. Voilà, tu vois. Ok. Donc, ma gêne, c'est une croyance. Bah oui, parce que là, tu vois bien que tu gênes personne. Hein. Bah, tout le monde chatte avec toi, donc voilà. Et puis, tu sais, un jour, ça peut arriver à Evelyne, à Elvira, à Valérie, à Khadija, voilà. Ça peut arriver à n'importe qui, même à moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Et ce jour-là, eh ben, on est content, toi, d'être entendu et écouté. Tu vois ? Ouais. Chaque humain est précieux pour moi. C'est ma fonction, c'est ma façon de penser, c'est mon... Voilà, et c'est vrai. C'est pas pour dire que... Voilà, c'est vraiment vrai. Pour moi, chaque humain est précieux. Il n'y a pas un plus que l'autre, c'est chacun à sa, voilà, à sa place. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette, je suis vraiment contente. Bon, ben, la semaine prochaine, il n'y aura pas le chaudron, hein? Ouais. Mais après, ça reprend comme d'habitude. Ok. C'est chouette. Tu vas faire un gros dodo. Oh bah, c'est pas de refus. Oh, c'est excellent. Ouais. Oh, je suis contente d'être passée. Ouais. C'est génial. Tu m'étonnes, tu peux être contente. Franchement, ouais. C'est un grand cadeau en fait. Toi, tu as eu ton cadeau. Ouais, c'est Noël. Noël. C'est ouais. Ça. Ma plus grande libération émotionnelle que j'ai fait, c'est une des dernières, d'ailleurs, il y a 2 ans, je crois. Donc, il n'y a pas si longtemps. Hein. Celle qui a été blessée, chercher la blessure la plus profonde, c'était une semaine avant Noël. Oh. C'est drôle, hein? Ah ouais. Ouais. C'est un moment magique, Noël. C'est un moment magique, et puis quand on veut se donner aussi ce moment-là, quand on veut ouais. accepter ce moment-là, c'est magique. Voilà. Et ouais, il y a 2 ans, une semaine avant Noël. J'étais à un stage et j'ai lâché l'émotionnel très, très profond. Ouais. Ça va comment, Marie? Tu sais, on va faire... Si Valérie, elle est OK, elle va revenir dans la salle parce que moi, j'adore Valérie. Dis-moi, Marie. Et puis, je trouve que c'est sympa. Eh ben, je me sens plus posée, ouais. Je me sens un peu stone. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais là, tu vas faire un gros dodo. Ouais, c'est ça. C'est ma prochaine action. Ouais, c'est ça. Te reposer, faire un gros dodo et laisser venir à toi ce qui doit venir, quoi. Ok. Elvira qui met « Je ne vois pas les commentaires des autres ». C'est normal. Quel commentaire, Elvira? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle met ça, Elvira. Voilà, ma belle. Comment c'est pour toi?
Ouais, là, ça c'est. Enfin, ouais, je suis stone en fait. C'est compliqué de parler. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, c'est bon. Je peux te lâcher. Je pense que. Ah, c'est bon. J'ai la permission. Ah, bah tant mieux. C'est bien. Oui, oui. Oui, parce que, voilà, il fallait attendre ce moment-là. Pour justement, voilà, là c'est bon, c'est posé, tu vas te faire un gros dodo et puis ouais. Voilà, ça va être juste. D'accord ? Eh ben, c'est super. Voilà, merci c'est beaucoup. Super. Voilà, ouais. Là c'est bon, là c'est OK pour moi. Oh, Véronique, merci. Ben, merci à toi. Et puis à tout le monde, quoi. Voilà, moi ouais. j'ai juste fait l'accompagnement et je t'ai juste mis une bougie sur le chemin. Hein. Ouais. Ouais. Et voilà, quoi. Ok, ma belle. Alors, qu'est-ce qu'elle me met? Elle dira, tout ce que tu affiches, Véro, je ne vois pas, je ne vois que moi sur le chat. Elle dira, elle voit qu'elle sur le chat. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a un problème, ouais, je ne sais pas. Ah, mais ça dépend où tu regardes, Elvira. Parce que comme il y a plusieurs endroits, peut-être les autres sont sur l'autre endroit. Et donc, du coup, toi, tu vois que toi. Voilà. Viens sur ma chaîne. Tu es peut-être celle sociale de Sébastien. Ou voilà. Tu vois, je pense que c'est ça. Si tu es toute seule à regarder sur Sébastien, en fait, tu ne vois pas les autres. Voilà, les commentaires. Tu bascules sur l'un ou sur l'autre. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Bon, ben écoute, Marie, je te laisse faire un gros dodo. Ouais, bah, bonne nuit. Ouais, bonne nuit à toi et puis à très bientôt. Ouais. Je t'embrasse. Merci. Et bonne fête de fin d'année. Ouais, bonne fête. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. On se reverra sûrement. Ouais, ciao, Marie. Gros bisous, ciao. Gros bisous, Marie. C'était chouette. Bon, ben là, il y a je sais pas quoi, là. Or et Lee. Qui n'a pas mis sa caméra, donc eh ben, je ne peux pas le passer. Donc voilà, c'est OK. Parce que depuis le début, c'est là, mais il n'y a pas de caméra. Donc, eh ben voilà. Du coup, je vais faire ça. Voilà, toc. Et voilà. Alors, tu as pu mettre que nos réponses en haut si tu es sur Facebook. Elle verra. Bah écoutez, on a passé une bonne... Enfin, moi, personnellement, j'ai passé une bonne soirée. J'ai adoré. Merci à toutes les participantes, parce qu'il y avait des femmes ce soir, à toutes les participantes. Merci à toutes ceux et toutes celles qui sont dans le chat et à toutes les personnes qui regarderont en replay ou voilà, qui sont dans l'ombre, qui ne se montrent pas. On pense à vous et on sait que vous êtes là. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année parce que c'est la semaine prochaine, assez bientôt, hein, ça a très vite passé. Je vous dis à très bientôt. Je vais mettre la musique de fin comme je fais d'habitude parce que j'adore. Il faut juste que je retrouve parce que comme je suis sur l'endroit de... Je ne sais jamais où c'est. Alors, attendez. Voilà. Je vais vous dire, je ne sais plus ce que j'ai dit, je vais vous dire une bonne soirée, enfin une bonne nuit surtout, oui, une bonne soirée, je suis drôle ma soir, et passez des très bonnes fêtes, et je vous dis, pas la semaine prochaine parce que je fais un atelier, on m'a demandé, pour les fêtes de fin d'année, pour les personnes, voilà, donc je ne serai pas disponible lundi soir, mais par contre pour le lundi d'après. J'essaierai de vous faire une petite surprise dans la semaine si je peux, si j'ai du temps et voilà. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci à vous toutes et prenez soin de vous. Je vais vous mettre la musique.
Thank you.